attention. Welcome to the FINA World Series. Welcome to the 7th Open Makeup Forever of Synchronized Swimming. Bienvenue au 7e Open Makeup Forever ici à la piscine Maurice Torres de Montreuil, le stade nautique qui nous accueille. Just beside me, the three-time champions of the world and Olympic medalist Virginie Dedieu. Salut Virginie. Bonjour tout le monde. Ah oui, bah maintenant on est dans les World Series de FINA. Alors on parle anglais, on parle français. Eh bah oui, on est ravis de partager cette première finale qu'on va faire vivre en direct à nos amis internautes qui nous suivent. Ça va être les duos libres. On va commencer avec les duos libres. On peut en dire un petit mot sur cette compétition. Qu'est-ce qu'on va vivre là? Quel est le format de compétition? La durée des passages? Est-ce qu'on peut en dire un petit peu à nos amis? Tout à fait. Donc le duo libre, là, c'est les éliminatoires, puisqu'on fait des éliminatoires et des finales, contrairement au programme technique qui va être sur cette compétition-là, une finale directe. Il y a à peu près 28 pays sur cette compétition. Sur le passage du duo, on a 32, si je ne me trompe pas. Exactement, 31 duos. Donc il y a des nations qui présentent plusieurs duos. Notamment la France. Tout à fait. Et en fait, ça leur permet également d'être une sélection. C'est un mode de sélection pour eux en interne. Donc dans leur pays, on va avoir des filles, des tuitistes là qui sont en compétition pour leur équipe nationale. Alors on va justement... C'est vraiment important du coup pour elles. Et oui, on parlera notamment des Françaises, effectivement. 4 duos qui sont en lice, puisqu'on le sait, cet Open Makeup Forever est en préparation du championnat du monde de Budapest. Voilà, donc en senior, cette année, ce qu'on attend le plus, c'est les championnats du monde de Budapest qui auront lieu au mois de juillet, mi-juillet. Pour les juniors, il y a les championnats d'Europe, donc on a aussi des juniors et même des minimes aujourd'hui. Voilà, on va avoir tout ce beau monde qui va être avec nous. On rappelle aussi qu'en deuxième partie d'après-midi, ne manquez pas les finales par équipe technique, hein, ça sera à 19h, ça sera la deuxième finale. Exactement, et là on va commencer dans quelques instants, les juges qui vont rentrer sur ce stade nautique Maurice Torres dans quelques instants. Donc on a dit 4 équipes françaises, 31 duo à vivre en direct. Et ce matin, eh bien, on a vécu les solos techniques. Vous n'étiez peut-être pas avec nous dans la piscine Maurice Torres. Alors, on va vous donner le classement. La première du classement, c'est Anna Voloshina, l'Ukrainienne, voilà, qui a été la première sur ce podium avec une prestation que moi j'ai beaucoup aimé. Vous avez trouvé quelques petites choses à redire, hein, Virginie? Alors, moi, il faut dire que j'étais en bas dans l'angle, puisque sur cette compétition-là, j'ai aider la soliste canadienne. Donc voilà, on en reparlera dans quelques instants. Elle passait juste derrière, donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai loupé le début. Non, c'est une jolie nageuse, c'est sûr. Maintenant, en effet, je trouve que pour le meilleur en international, elle manque encore un peu de solidité sur ses éléments. Donc, c'est pour ça que j'ai des remarques à faire. Voilà, la japonaise Yukiko Inui s'est placée deuxième, juste derrière l'ukrainienne. Et puis, en troisième position, on a trouvé Jacqueline Simoneau, que vous entraînez actuellement, Virginie. Oui, alors, on a travaillé sur la chorégraphie ensemble. Hein, donc, je n'entraîne pas du tout à l'année. J'y suis allée il y a 15 jours et du coup elles ont pris la décision de venir ici pour continuer un peu ce travail là. Donc la chose qui est importante à dire aussi, il n'y avait pas de française sur le solo technique, donc en solo libre on va retrouver 3 nageuses. Par contre elles ne présentent pas de solo technique cette année, c'est un choix stratégique de préparation, donc on n'avait aucune française sur cette compétition ce matin. Voilà, avec effectivement la part belle qui a été mise du côté des françaises sur notamment les duos, les équipes, oui. Qu'on va retrouver. Alors, tout au long duo, de ce week-end, forcément c'est olympique, donc il y a toujours un peu plus de monde qui le prépare. C'est l'année post-olympique. On a du chamboulement. Nos deux meilleures nageuses donc de Rio, qui ont participé à Rio, ont arrêté, ou en tout cas mis entre parenthèses pour Laura, on en reparlera plus tard. Voilà, Laura Auger et Margot Chrétien qui se sont classées 8e au JO, on le rappelle.
Donc voilà, on est en train de construire un nouveau duo. Elles mettent 4 ans pour préparer Tokyo, mais l'avenir aussi est important. Donc on espère, nous, Paris 2024. Mais effectivement. Il y a la suite, bien sûr, à penser. Et ça ne se fait pas en une seule fois. Et surtout, on ne peut pas dire on prend 2 filles, on y va. On en teste plusieurs. Les compétitions comme celle-ci, un international avec des juges au maximum de leur performance est très important aussi. Et on va justement découvrir ces 4 duos cet après-midi sur le duo libre, ce qui nous donnera une petite idée un petit peu des forces en présence du côté français. Alors que démarre tout de suite ces duos libres avec le premier duo à se présenter devant nous, ce sont les Malaisiennes avec Wei Wing et Wang Ni Fung. Si je prononce bien. Je vous fais confiance. Ouais, écoutez, vous faites bien, j'espère en tout cas. Voilà, c'est Wai Wei Gang qui est avec Wing Wei Li, voilà, avec Wang Nifung qui est la remplaçante. Donc je rappelle, on a le droit de démarrer au bord du bassin, on peut démarrer dans l'eau, mais on a droit à 10 secondes maximum une fois que la musique a commencé au bord de l'eau, ce qu'on appelle le bord ou plus communément la plage. Après, on doit absolument rentrer dans l'eau. Avec une première avancée des nageuses, là, elles sont déjà à plus de la moitié du bassin. Une bonne glisse. On ne voit pas forcément sur les écrans, mais ça avance bien. Les Malaisiennes qui sont pas dans les pays majeurs, mais qui sont là régulièrement et qui progressent vraiment. Que l'on voit régulièrement au MUF en tout cas, ouais. Qui n'étaient pas dans les premières équipes au JO, mais qui effectivement sont présentes toujours au MUF. Oui, et puis c'est voilà, vraiment de mieux en mieux chaque année. Donc, tout ce qu'elles font là, c'est posé, c'est puissant, c'est bien. Elles sont synchro, bon là elles manquent un peu de hauteur, d'explosivité, mais ce qu'elles font c'est bien. Petite faute de synchro là sur la vrille. Les pays de la zone Asie qui sont très actifs en ce moment, parce qu'il y a aussi des échéances qui arrivent de leur côté. Oui, alors il y a l'Asia Game, donc ça concerne uniquement vraiment la Chine, même les petits pays autour, je ne crois pas, ils participent. Mais par contre, tous les cantons, toutes les régions de Chine participent. Donc c'est pour eux les Jeux Olympiques du sport en Chine, internes. Et finalement, c'est presque plus important que les Jeux Olympiques. Et ce qui nous a valu en 2013 de ne pas avoir la participation des Chinoises au championnat du monde de Barcelone. Donc je crois que cette année elles seront là, parce qu'apparemment justement les Asia Games, je viens d'apprendre ça, ont été avancés uniquement pour la synchro, ça aura lieu au mois de mai, alors que pour tous les autres sports ce sera septembre ou octobre. Justement, je pense pour qu'elles puissent se préparer pour les championnats du monde qui eux ont lieu au mois de juillet. On le rappelle, du 12 au 24 juillet à Budapest. Voilà, techniquement, on peut voir quand même sur des vrilles comme ça, pousser vrilles, des filles qui tombent, donc c'est-à-dire qu'elles ne restent pas sur la verticale. Donc ça fait des fautes techniques. Mais par contre, elles ont une bonne synchronisation. Elles vont bien ensemble également, elles ont un peu la même énergie et le même physique. Donc c'est vrai qu'en duo, on cherche vraiment des paires qui se ressemblent. Plus de fatigue là sur une des deux nageuses. Ah oui, la fatigue commence à se faire sentir forcément. Un porté, pas excessivement haut. Celui-là est plus original, sympa. On finit sur un porté, donc ça demande beaucoup d'énergie. Hein. On le voit, hein. La porteuse est un petit peu plus fatiguée encore que la duétiste. Voilà, on rappelle, 3 minutes environ le programme, ce qui est toujours qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup, beaucoup de présence et qui effectivement en fin de prestation est forcément un peu plus difficile. C'est un peu plus compliqué pour ces jeunes filles. Voilà les notes qui vont arriver dans quelques instants. On le rappelle, vous suivez le programme libre du duo où tout est laissé au libre choix des entraîneurs au niveau de la musique, la chorégraphie, ouais. L'ordre des figures. Absolument. On a donc par contre une contrainte musicale donc de temps. C'est 3 minutes plus ou moins 15 secondes sur les programmes libres.
Si on dépasse, on a des points de pénalité. Et en dehors, en effet, des 10 secondes sur le bord. Après, à l'intérieur du bassin, on fait ce qu'on veut. On n'a pas le droit de toucher les bords du bassin et bien entendu le fond du bassin qui est de toute façon beaucoup trop loin pour nous. Donc on se porte uniquement par notre force des jambes et des bras. Et la chorégraphie est complètement libre. Et après, stratégiquement, forcément, on a des choses à mettre plus que d'autres pour que ce soit valorisé, que ce soit avantagé par les juges. Alors la note qui tombe pour les Malaisiennes, c'est la note de 72.7 ou 72.7 000. Est-ce que ça vous paraît cohérent, Virginie, pour ce premier duo qui passe devant nous aujourd'hui ? Bah oui, parce que alors c'est quoi la note d'exécution, 22 ? Ouais, 22 et 29.6 en artistique et en difficulté 21.1. Oui, parce qu'elles étaient bien synchro justement. Voilà, techniquement, c'était assez basique. Cela dit, elles avaient pas mal souvent les deux jambes en l'air, mais il n'y avait pas de grosses difficultés. Mais c'était bien correctement exécuté. Après, c'est pour ça que c'est pas très haut, parce que c'est pas un duo qui est excessivement difficile et enfin difficile dans la difficulté technique, j'entends. Nouveau duo qui vient nous rejoindre, toujours venu d'Asie, le duo de Shanghai avec Menyi Tang et Yijing Sun. J'ai envie de faire une petite remarque, un maillot qui me fait penser au nôtre avec Laure Thibault là, qui se trouve à côté de moi, qui est entraîneur de l'équipe de France. À Athènes, on avait un maillot avec un soleil comme ça sur le côté. Ça m'y a fait penser. Ça, c'était une petite parenthèse. Vous êtes encore une fois une source d'inspiration pour ces jeunes filles, vous voyez, Virginie. On est parti avec le duo libre de Shanghai. Il manque un petit peu d'explosivité, moi, je trouve, sur cette poussée. C'était bien synchro, par contre. Donc voilà, toutes ces filles-là, elles se préparent pour leur Asia Game interne. Très beau porté, super hauteur. Hein. Et donc c'est une préparation. Elles ont à cœur d'avoir des retours des juges, des autres entraîneurs des pays internationaux. Et de se préparer aussi pour être de plus en plus fortes pour le mois de mai. C'était une figure qui était très intéressante, là, avec des petits jeux d'angle qui sont compliqués à caler. Deux filles qui nagent beaucoup plus serrées, bon, là en plus c'est une figure à deux, mais que les deux malaisiennes qu'on vient de voir qui étaient assez écartées. Donc ça peut être, c'est plus dur de nager serré parce qu'on peut se cogner, se faire mal, et donc quand on se touche avec les jambes, on s'enfonce et on va au fond de l'eau. Alors que le but c'est d'être au-dessus de l'eau. Mais par contre c'est beaucoup plus apprécié pour les jurys d'être très proche. Donc il faut être nager serré. Des jeux en diagonale avec de l'isolation, ça bouge un tout petit peu sur la jambe qui était justement en isolation, mais c'était pas mal. Une grosse figure quand même. Alors il faut savoir que les temps ont changé au fur et à mesure des années aussi, donc notre discipline a évolué. En 2000, les duos faisaient 4 minutes. Ah oui. Il y a quelques années, ça a changé. Donc après 2001, il me semble, c'était 3030. Et là, ça a changé dernièrement. Ça fait 2 ans. C'est passé à 3 minutes. Donc, c'est voilà. Quoi ? C'est pour densifier le duo, pour que ça soit encore plus énergique, encore plus dynamique ? Alors à l'origine, c'était pour la télé. D'accord. Je crois bien. Du coup, forcément, ça a donné plus de vitesse parce que dans la chorégraphie, on avait à cœur de mettre pratiquement autant de choses en un minimum de temps. Et donc, c'est de là qu'est venue vraiment la rapidité. Et je crois qu'on est resté dans ce volume-là. Maintenant, il faut arriver à apporter de l'artistique malgré la vitesse qui est demandée. Et du coup, ça a par contre raccourci les figures. Avant, on avait de plus grandes, plus longues figures. Aujourd'hui, on a plus de figures, mais très courtes. Elle nage bien, hein, des bonnes obliques respectées. Assez compliqué. Là, on commence un petit peu à sentir la fatigue, c'est pas très précis. Avec un porté également à la fin qui est nettement moins haut que sur le premier.
Très sympa, il y a la recherche de l'originalité. Oui, alors on le rappelle, hein, parce que effectivement, dans la définition du duo libre, c'est la recherche d'une chorégraphie innovante, hein, qui doit être mise en avant auprès des juges, c'est ce qu'on dit théoriquement. Vous les trouvez innovantes, ces deux jeunes filles, Virginie ? Alors, innovantes, peut-être pas, mais c'est pas, on va dire, dans le classicisme du linéaire du duo. Donc, elles ont cherché des difficultés obliques, des petits jeux de jambes. Voilà, c'est pas la nouveauté du siècle, mais comme la fin, le petit porté était original. Voilà, il y avait des petites touches intéressantes. Ouais. On va voir dans quelques instants ce que les juges en auront pensé, avec effectivement une notation qui devrait être un petit peu supérieure quand même à celle de l'équipe de Malaisie qui est passée juste avant. Largement même. Voilà, et à suivre juste après les Américaines, où on retrouvera Anita Alvarez qui était au JO, elle, à Rio cet été, où nous avions eu la chance de vous retrouver pour les commentaires avisés qui sont les vôtres sur les antennes, bien sûr, de nos amis de France Télévisions. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Les notes du duo venu de Shanghai. Voilà, note d'exécution à 25.1, artistique à 32.5333, difficulté à 25.1 également, comme pour l'exécution, ce qui nous fait un global à 82.7333. Donc oui, pour les États-Unis, le duo a changé donc par rapport à cet été. Les Américaines faisaient partie des concurrentes françaises, donc elles ont terminé derrière nos Françaises. Donc Anita faisait partie du duo cet été, donc elle était accompagnée de Maria, qui elle a arrêté. Et donc c'est un nouveau duo, c'est une nouvelle paire qui se prépare. Et on va les découvrir tout de suite. Alors vous pouvez voir là l'utilisation de la très grande souplesse de Anita, aussi bien du dos que des grands écarts. Et voilà, ça permet de faire des choses très artistiques. Et là on parle d'innovation. Et ça peut être le cas également. Voilà, là je crois qu'elle va faire le même porté l'année dernière. Voilà. C'est vraiment très, très original et très fort au niveau de sa souplesse. Hein. Pas n'importe qui peut faire ça. Alors au jeu, elle sortait plus haut, hein, parce qu'elle avait une autre partenaire, mais c'est vraiment super porté. Et ça fait la différence. Bon, par contre, on voit aussi la différence entre les deux nageuses. Là. Oui, c'est celle du fond qui n'a pas fait les jeux et en effet, elle est un peu plus basse, moins précise. Elle nage également un peu trop écartée. Donc les Américaines qui sont entraînées par une Italienne depuis quelques années et qui ont pour DTN Myriam Gless, qui est une Française qui a participé au jeu de Ciné et qui était ma partenaire de duo après Ciné. Donc c'est elle qui s'occupe de cette équipe nationale. Voilà, jolie figure avec des isolations, changement d'angle. Anita qui a un peu tombé sur sa vrille. Voilà, il y a de jolies recherches de transition ici. Tout se passe, tout est lié, ça ne s'arrête jamais. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, encore l'utilisation de sa souplesse, super beau. Je ne l'ai pas trop vu en hauteur, c'était plus joli. Ça c'est bien de l'avoir gardé, c'est une grosse difficulté technique de rassembler avec la jambe derrière encombrée. Parce qu'en fait c'est le même duo que celui des jeux, hein. C'est une nouvelle partenaire mais c'est la même chorégraphie. C'est une stratégie, ça permet de ne pas perdre de temps sur la chorégraphie et de vraiment faire travailler techniquement et physiquement la nouvelle venue. Waouh, porté qui est un petit peu bas. Commence à être fatigué, il faut la relancer et être précise surtout. Beaucoup de jeux à deux hein, sur ce duo là. Donc on a vu le premier duo qui avait importé uniquement à la fin un seul. Là ça fait au moins 3 ou 4 fois qu'elles font quelque chose ensemble. C'est bien ça.
Elles ont bon déplacement également, c'est un duo qui a bien glissé et qui va bien voir tous les juges. Oui, car on rappelle que c'est important hein, de faire tout l'espace qui est disponible pour que tous les juges puissent profiter du duo et du travail. Donc en fait, l'espace du bassin, c'est 33 mètres sur 25 mètres en compétition internationale. Donc 25 mètres en largeur, c'est 10 lignes d'eau. Ici, il y en a 8. C'est tout à fait correct. Hein. Donc on a un 20 mètres sur 33 en longueur. Et en effet, les juges sont de part et d'autre sur la largeur du bassin. Mais il faut essayer de faire un parcours qui prend vraiment tout l'espace du bassin. Donc aussi bien en longueur qu'en largeur, en diagonale. Et il faut être aussi proche des juges au bord pour qu'on puisse capter leur regard et avoir un peu la thématique et l'émotion dans leurs yeux. Et j'ai envie de dire qu'on n'a pas vu le temps passer avec ces deux Américaines. Hein. Oh, ça a été très dynamique. Très dynamique, très riche, effectivement, beaucoup de combinaisons ensemble. On sent, même si effectivement c'est un nouveau duo, hein, vous le disiez il y a quelques instants, qu'il y a des choses en place mettre encore à améliorer. Donc ça, c'est vraiment un plus pour elle. Maintenant, en effet, c'est de la précision et du savoir-faire individuel parce qu'il y a pas mal de vrilles qui sont tombées aussi bien chez l'une que chez l'autre. Donc ça, c'est des notes, des dixièmes en moins qui tombent sur la note d'exécution et technique, forcément. Et la difficulté qui n'est pas vraiment réalisée. Alors, on va voir les notes pour les deux Américaines. Voilà, et alors l'exécution est un petit peu moins bien notée que pour l'équipe de Shanghai précédemment, 24.9. Tandis qu'en artistique, en revanche, 33.6 et en difficulté, 25.3. C'est là où se fait la différence. C'est sur ces difficultés sur l'artistique, visiblement, avec une note de 83.8. Oui, elles étaient quand même vraiment plus précises aussi, les Chinoises. Ça, c'est logique. Ouais, les Américaines ont été effectivement plus précises. Et on accueille maintenant le premier duo israélien. Il y en aura encore deux autres derrière à suivre. Trois équipes d'Israël présentes sur ce Make Up Forever pour les duos libres. Elles sont aussi un peu en phase de reconstruction. Donc leur principale nageuse, Anastasia Glushkov, qui était là depuis une bonne 10-15 d'années, qui a fait quand même 4 Jeux Olympiques, vient d'arrêter. Et donc il faut trouver le duo majeur. Sa partenaire, elle continue, elle est soliste d'ailleurs. Là, c'est notamment beaucoup de juniors qui sont présentes sur cette compétition pour pouvoir les montrer et les faire progresser. Oui, on le rappelle, hein, on est en année post-olympique, donc beaucoup, beaucoup de renouveau dans les équipes. Alors, on démarre avec un porté. Avec des filles fluettes, toutes fines. Donc l'Israël qui est quand même un peu influencé avec l'école russe parce que leur entraîneur justement est d'origine russe. Elle est israélienne mais d'origine russe. Celui de jambes en l'air qui bouge un petit peu mais c'est pas mal du tout pour leur âge. Je rappelle, elles sont de 2001 et 2002. Dans 14 ans, c'est jeune. Ouais, effectivement, hein, beaucoup de juniors. On aura l'occasion aussi d'en voir du côté français tout à l'heure. Un double leg là qui était original, bien travaillé. Une grosse faute de synchro. Malheureusement, pareil, on voit un petit peu aussi une différence de hauteur dans les deux filles. Ah, un bras oublié pour l'une des deux. Ça va être sanctionné, ça. Bon, voilà aussi, on peut voir la différence de rythme. C'est un petit peu lent, tout ça. C'est bien synchronisé. Elles sont pas trop mal sur la verticale, elles sont assez légères, mais voilà, c'est un petit peu lent. On n'a pas la même dynamique que tout à l'heure avec les Américaines. C'est pas le même niveau, donc forcément la note démarre un peu plus basse. Donc voilà, en dehors des erreurs qu'il pourrait y avoir en synchro, la chorégraphie fait qu'elle est déjà en dessous.
La précision également, là on parle, bon, les pointes de pied sont très importantes et là par exemple quand elles ont entamé leur figure, elles n'étaient pas encore tout à fait pointées, tendues, donc on a vu des pieds flex se préparer, et c'est pas, voilà, c'est pas très joli, c'est pas une bonne préparation et ça fait pas fort. Une musique qui ne doit pas être évidente par contre à compter, parce que là il n'y avait plus trop de rythme. Donc je rappelle qu'en fait on cale tous nos mouvements sur des comptes, et les comptes sont forcément fixés sur le tempo de la musique. Si on n'entend pas la musique, on ne peut pas compter, on ne peut pas être ensemble. Si la musique a un son et n'a pas de rythme, forcément ça va être aussi plus compliqué à exploiter, à utiliser. Donc le choix des musiques est vraiment important aussi. Dans quelques instants, le deuxième duo israélien, ce sera juste après. Voilà, après Tali Ostrovski et Shelly Bobritsky que nous venons de voir évoluer dans ce stand nautiquement Estorez. Et bien, nous aurons Nathalie Koutik et Alina Chalemski qui viendront nous rejoindre. Et juste après, le premier duo français. Voilà, avec Camille Bravard et Laura Gonzalez qui seront là dans quelques instants. Alors, les notes de ce premier duo israélien. On va découvrir les notes dans quelques instants. Après, c'est des filles qui ont vraiment une grosse marge de progression, qui ont une bonne silhouette aussi pour ce sport, donc de l'avenir. Voilà, oui, pour les notes, effectivement, c'est encore un peu faible, 72.0667. Avec une exécution à 21.5, une note artistique à 29.0667 et 21.5 pour la difficulté. Effectivement, mais comme vous le disiez tout à l'heure, Virginie, effectivement, c'est pas le même programme que les Américaines tout à l'heure. Voilà le deuxième duo israélien qui arrive. Voilà, on va quitter voilà, les deux Israéliennes pour en rejoindre deux nouvelles. Donc un tout petit peu plus âgé. 99 et 97. On le voit aussi quand même hein, sur le visage, elles font plus matures. Ouais. Et on va voir aussi dans l'eau comment ça va se passer pour elles. Donc ça c'est une petite présentation qu'on peut faire avant le sifflet. Du début de musique, on a 30 secondes à partir du moment où on fait le premier pas jusqu'à notre pause de départ. C'est pareil, si on dépasse ces 30 secondes, on a une pénalité. On peut faire très vite et on peut faire 30 secondes pile. À partir du moment où on ne bouge plus, le juge arbitre siffle et la musique peut commencer. Voilà, alors une première figure, on peut comprendre... Donc, avec pas mal de bouillons, on sait ce qui fait la différence entre les très fortes et les un peu moins perfectionnées. Quand on tape, voilà, elles étaient en faciale, elles tapaient les jambes dans l'eau, elles lâchaient leurs jambes plutôt que de les retenir, donc ça faisait aussi beaucoup de bouillons, beaucoup d'eau. Donc c'est ce qu'on dit quand c'est pas propre et c'est moins précis et moins fort. Voilà, à noter si vous êtes en entraînement ce soir, pas trop de bouillons. Hein. Dans la baignoire, attention. Ouais. Ah, des petites fautes de désynchro. Deux nageuses par contre qui nagent assez proches. Vous pouvez voir les appuis là sous l'eau. Donc, toutes les mains qui travaillent, c'est pour prendre de l'eau et pour sortir. Elles manquent de précision parce que même leurs mouvements qui sont censés être pareils sont un peu différents. Bon, après, c'est une compétition qui est assez tôt dans l'année également. On est seulement au mois de mars. Peut-être que les chorégraphies viennent tout juste de se terminer. En tout cas, elles n'ont pas eu le temps de les peaufiner. Donc des erreurs comme ça, cette période-là, c'est assez normal. Original dans leur figure.
un parcours, alors là vous le voyez puisque justement on est au-dessus, le bassin, la moitié du bassin, elles ont un peu trop nagé du côté droit par rapport à l'image que vous avez vue aérienne. Donc elles viennent que d'un côté du jury. Ça, ouais. Ça peut être compté comme faute de parcours. C'est-à-dire qu'elles sont pas allées de l'autre côté, elles sont pas allées voir pour l'instant l'autre jury. Ouais, comme vous disiez tout à l'heure, Virginie, c'est important hein, de faire le tour des juges, de faire ce parcours complet, de façon à ce que tous les juges puissent vous voir et profiter de votre prestation. Et ça montre aussi une vélocité. En fait, on fait toute de la natation course en démarrant la synchro. Donc c'est un savoir se déplacer et donc dans nos programmes, on doit bouger, glisser le plus possible. Donc si on a un endroit du bassin qu'on n'a pas exploré, c'est une faiblesse. Donc en effet, là, ça a été le cas. Elles n'ont pas fait la moitié du bassin gauche. Et elles se privent du coup, en tout cas, d'une perception plus globale pour les juges. Donc ça risque d'être sanctionné. Il y en a qui n'aiment pas ça. Et... On va voir ça dans quelques instants, justement, sur les notes. Et juste après, restez avec nous, c'est le premier duo français de la journée qui arrive dans quelques instants dans ce stand nautique Maurice Thorez. Voilà, Camille Bravard et Laura Gonzalez, qui sont jeunes, elles. Hein. Oui, on démarre par des minimes, en fait, tout simplement. Voilà, qui sont entraînées par Charlotte Massardier et qui vont nous proposer donc cette prestation qui fera un petit peu plus de 3 minutes. Dans quelques instants, les notes des Israéliennes qui ont un peu plus plu au juge que le duo précédent. On va découvrir ça dans quelques instants. Voilà, vous entendez. Ouais, elles font plus matures, mais cela dit, moi je pense qu'il y a plus de qualité dans le duo précédent. Donc après, c'est une façon de nager et une expérience aussi des plus jeunes qu'il va falloir... développer et s'aguerrir un peu plus. Voilà, les supporters israéliens qui sont juste en dessous de nous et puis surtout beaucoup de monde déjà hein, ce vendredi après-midi. On sait que le week-end est complet comme dimanche. Ouais. Il n'y a plus de place. Mais j'ai envie de dire comme chaque année, hein, comme chaque année. C'est incroyable, hein. C'est véritablement un succès de ce Make Up Forever. Voilà, et la note donc de 74.7333, une exécution à 22.3, une note artistique en 30.1333 et une difficulté à 22.300. Ouais, effectivement, ce duo israélien qui a eu du succès auprès des juges. Et voici les Françaises qui vont arriver, vous allez entendre le public qui va les accueillir comme il se doit. Voilà, un des quatre duos qu'on va voir aujourd'hui en duo libre, hein, puisqu'on le rappelle, on est en pleine préparation des championnats du monde qui auront lieu à Budapest cet été. Donc il va falloir choisir parmi ces quatre duos, en tout cas voir un petit peu ce qu'elles valent. Là, pour ces deux nageuses en particulier, elles ne sont pas vraiment concernées pour la sélection senior. Mais ça les habitue à la compétition. Tout à fait, et c'est bien de montrer toutes nos nageuses internationales françaises. Elles reviennent actuellement de Moscou. Elles étaient en stage et compétition à Moscou, une grosse, grosse compétition avec 400 participantes russes uniquement. Et oui, là, c'est forcément le haut niveau auquel s'adresse. Là, c'est un duo nantais qui nous est présenté avec une exoise en remplaçante, mais les deux filles que vous voyez là viennent du club de Nantes. Jolie Paul. Coquine, c'est la musique de Caravan Palace qui devrait mettre de l'ambiance dans ce stade nautique Maurice Thorez. C'est parti. Oui, bien sûr, la rapidité aussi. Par rapport aux Israéliennes qu'on vient de voir là, ça déménage plus. Donc, par contre, ce que je vous disais tout à l'heure, un peu trop de bouillon, un petit peu trop basse. Bien, jolie difficulté à la fin de cette première figure, qui était longue. Et on voit hein, que le choix de la musique est important hein, et que tout de suite, même si le public ne vote pas, ça entraîne. Un beau déplacement c'est dans la piscine. Pour les nageuses, hein, j'ai envie de dire, ça aide quand même d'avoir une musique relevée. Eh oui. Enlevée. Oui, ça bouge bien, hein, ouais, tout à fait. Là, elles sont déjà une longueur et demie. Il va falloir aller de l'autre côté maintenant. Elles sont bien devant le jury de droite, en effet. Attention aux fautes de synchro et un peu de hauteur également. Donc c'est, en fait, on sait exactement normalement où est-ce qu'on est en hauteur, mi-cuisse, genou, mollet, cheville. Et là, il y a eu des petites erreurs de hauteur. On peut voir le rétropédalage, ce qui nous permet de monter au niveau des bras. C'est la même chose que les nageurs de waterpolo. On
un petit passage à deux, chorégraphique. Tu peux amener des points sur l'artistique. Allez. Porté, très bien. Allez, il faut partir de l'autre côté maintenant. Mm-hmm. Ouais, là, il va falloir voilà, donner un peu d'accent sur les battements. Deux filles qui ont de belles lignes de jambes et une belle hauteur également. Allez, la synchro, attention. Bon, en tout cas, là, ça traverse. On va aller voir les juges de l'autre côté. C'est bon, ça c'est fait. Oui, c'est facial, manque un petit peu de hauteur. Allez, là, on a eu l'impression que la jeune fille de devant attendait sa petite camarade. C'est pour qu'elle avance, mais ça fait un peu un trou à un moment donné, ça bougeait plus trop. Faire attention. Bien intéressante. Allez, on se tient. Un peu des relâchés de genoux. Dans la précision. Ah, elle traverse bien le bassin en tout cas. Là, elles reviennent pour la troisième fois. Elles reviennent sur leur quatrième longueur déjà. Ouais. Leur jeunesse n'empêche pas le dynamisme hein, en tout cas, ça c'est clair. Bien, c'était pas mal. Ah, alors, Virginie, réaction, pas analyse. De les voir, donc, je ne sais pas si c'est leur meilleur duo ou pas qu'elles aient fait, mais au niveau synchro, c'était vraiment pas mal. Et après, c'est un duo en effet qui est rapide, elles n'arrêtent pas, hein. Il n'y a pas une partie lente, c'est relevé, enlevé et sans arrêt des petits mouvements à caler, donc ça reste compliqué. C'est pas des mouvements excessivement compliqués dans le sens oblique, les deux jambes en l'air qui restent dedans parce qu'elles redescendent assez souvent au niveau de la surface, mais c'est comme c'est rapide et que c'est des petits mouvements, voilà, ça reste complexe. Voilà, c'est efficace. On va voir si les juges vont être d'accord avec vous. On va voir les notes dans quelques instants. Ah, ça devrait être pas mal, ça devrait être alors, pas mal. Alors ces filles-là, en fait, elles préparent donc la Common, qui est une coupe méditerranéenne, qui est la seule compétition internationale minime. Et très régulièrement, il n'y a pas que les pays méditerranéens, mais il y a les autres pays qui sont invités, donc il y a un Open dans la Common. Voilà, elles s'entraînent à l'INSEP, ouais. Justement avec Charlotte Massardi, donc cette année elles sont internes à l'INSEP. Et si je ne me trompe pas, Margot Chabiran, c'est ça hein, la remplaçante qui est avec eux, qui est venue les rejoindre. Voilà, pour une note qui est pas mal du tout, puisque ça leur permet d'être actuellement 3e au classement provisoire avec 79 points, 3333. Et derrière, donc les États-Unis normal et les meilleures chinoises qui étaient vraiment très bien. Voilà, 23-2, 32. 5333 en artistique et 23.6 pour la difficulté. Bah, belle première impression française, voilà. Et on va continuer avec les Néerlandaises, les Pays-Bas qui sont représentés maintenant par Nortje de Brouwer et sa sœur Bridge de Brouwer. Voilà, les deux sœurs qui sont jumelles et qui vont être sur la plage de départ dans quelques instants. Donc toujours intéressant hein, pour des coachs de travailler avec des jumelles parce que déjà la similarité est là. Souvent elles ont un sens musical similaire donc parce que des fois on peut ne pas du tout entendre la musique de la même manière, avoir un problème de tempo, etc. Très souvent quand on est sœurs et encore plus jumelles, c'est quand même assez proche, assez familier. Donc jolie position de démarrage. Dans le règlement qui a changé depuis quelques années, on n'a pas le droit d'avoir des portées, c'est-à-dire les deux, enfin c'est en équipe aussi la même chose, en ballet d'équipe ou en duo, on a obligation d'avoir au moins un membre au sol, le pied, le bras, la main, quelque chose qui doit toucher le sol. Parce qu'il y a eu des portées, des filles qui étaient portées sur les plages et il y a eu des petits accidents, donc des filles qui tombaient et du coup ils ont mis cette contrainte dans le règlement. Donc on avait une position en équilibre, mais voilà, il n'y avait pas de portée. Alors là aussi, hein, ça bouge bien, une belle dynamique. Donc des filles aussi de 99, donc 17 ou 18 ans. C'est encore des juniors, donc des concurrentes avec les Françaises et les autres Françaises qu'on va voir aussi après. Ouais, c'est assez précis hein, ce qu'elles font. Il manque un petit peu d'étirement et d'extension avec les pointes de pied.
Donc la ligne de jambe est un peu cassée. Elles ont une belle hauteur, très légère. Des mouvements recherchés en transition avec les balais legs et des mains aussi qui sortent en même temps. Ouais, elles glissent bien aussi alors qu'elles sont en rétro, donc c'est pas forcément évident de bien bouger en rétro avec un travail de deux bras finalement. La... Les vrilles, ouais, c'est... elles font fragile hein. Sur les vrilles, ça saute beaucoup, c'est-à-dire que le niveau normalement régulier sur le tour qu'elles ont fait avant de descendre doit rester vraiment mi-cuisse doit rester, et en fait elles font un peu mi-cuisse genou, mi-cuisse genou, donc elles sautent, ce qu'on appelle, donc c'est pas très régulier. Travailler à deux là, donc elles sont déjà à trois longueurs finies. Elles ont bien avancé, hein, vraiment. Et on repart dans la quatrième et dernière longueur. Donc après, c'est vrai qu'elles sont bien pareilles. Hein. Les positions. L'énergie est assez la même également. Dernière figure. Et elles ont pareil, un peu comme nos françaises, hein, le rythme est resté soutenu, assez régulier, et elles ont tenu, il n'y a pas eu un moment donné où elles ont baissé aussi dans leur façon de nager. Oui, à la différence de certains duos qu'on a eu depuis le début, effectivement, il n'y a pas eu de temps mort, on va dire, hein, c'est vrai. Et on va voir ce que les juges en ont pensé. Ça fait partie de ces duos d'une nouvelle génération, hein, donc post-olympique, hein, puisqu'elles sont toutes jeunes, on le rappelle, hein, 99, donc entre 16 et 17 ans. C'est des jeunes filles qui, elles aussi, hein, sont justement en train de s'aguerrir au haut niveau, l'expérience, à la compétition. Ouais, ça manquait de précision, hein, surtout à la fin. Donc, pas très tendu dans les jambes, un peu de bouillon également. Ouais, de la tenue du corps et de la netteté dans les figures. Effectivement, ça a bien plu au jury, puisqu'elles viennent se placer juste devant nos Françaises. À un point, c'est pas non ouais. plus énorme. Hein, non, non. Mais effectivement, le dynamisme paye avec cette note de 80,4. Par rapport à nos Françaises, où on a vu des différences justement entre les deux nageuses, là, on n'a pas vu de différence entre les deux nageuses. C'était pareil l'une et l'autre. Donc ça y fait aussi. À suivre nos voisins belges, voilà, avec Talia Kier et Sarah Filali, les deux jeunes filles qui vont venir nous rejoindre maintenant et qui représentent la Belgique. On va s'envoler sur notre balai magique pour le thème de Harry Potter dans quelques instants. En principe, les maillots sont travaillés pour comprendre un petit peu le thème avant d'entendre la musique. Ouais, peut-être le côté phénix. C'est pas toujours évident de le faire comprendre. Après, c'est un bel effet visuel qu'il faut trouver. Mais bon, voilà, ouais. C'était pour vous expliquer aussi comment étaient construits les maillots. Une grosse faute de synchro, malheureusement. Ça démarre pas forcément bien dans la tête des juges, porté un petit peu bas, mais qu'elle mérite de sortir. Enfin, c'est jamais évident de faire des éjectés en duo, donc c'est bien. Les Belges qui travaillent sur des diagonales, donc difficultés techniques.
Ah, elles repartent encore sur des cambrées. Donc, elles se compliquent un petit peu la tâche. Alors, ce ne sont pas des filles qui sont très fortes, à mon avis. Mais elles ont voulu mettre des grosses difficultés. Sympa la transition là qu'il y a eu sur la jambe, assez rapide mais c'était efficace. Elle glisse bien également, ils sont déjà à 1,5 en longueur. Travail de deux bras en l'air, donc forcément on a moins d'aide, on travaille uniquement avec les jambes pour sortir de l'eau, c'est plus fatigant. Figure plutôt travailler dans le sens artistique là avec des petits mouvements assez bas. Deuxième figure à deux. C'est compliqué quand on fait des figures à deux dos à dos parce que là vous avez vu il y avait un contact qui devait se faire. Qui n'a pas été très précis, forcément on ne se voit pas, donc il faut vraiment se sentir, bien se connaître et surtout l'avoir travaillé plein de fois pour ne pas se tromper. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, la proximité est un risque parce que là, elles auraient pu se cogner avec les jambes, donc déjà ça fait mal, mais en plus ça fait forcément louper la figure. Ça la casse, donc c'est pas toujours évident de travailler proche, mais elle l'était justement. Voilà, Talia Kir et Sarah Filali pour la Belgique qui en ont fini maintenant avec leur programme. Bon, encore à perfectionner, hein, Virginie, si j'ai bien compris. Non, mais il y avait de la recherche par contre. Mais c'est sûr que dans l'exécution, il y a eu des grosses fautes. Donc ça, c'est, malheureusement, ça va pas mal les pénaliser. Et après, techniquement, oui, ce sont pas des filles qui sont très solides et très hautes aussi dans l'eau. Voilà, vous êtes sur les duos libres de cet après-midi avec, dans quelques instants, une deuxième équipe chinoise avec une des compétitrices des JO, Wenyuan Sun, qui sera là avec Xiaolu Li. Ça sera dans quelques instants. Et pour l'instant, les notes des Belges avec la note qui va être faible hein, pour les Belges. 65. Avec une exécution à 19.1, une impression à 26.4 et une difficulté à 19.5, c'est faible hein, quand même. C'est un peu dur. Oui, donc là nous avons quand même une vice-championne olympique. Voilà, excusez du peu. Voilà, effectivement, la vice-championne olympique. Voilà, à Rio notamment. Voilà, elle était dans le duo avec Yuang, qui était la soliste championne du monde. Elle est d'ailleurs médaille de bronze en individuel et en solo technique à Kazan. Et elle était dans le ballet d'équipe, bien entendu. Donc, elle est double vice-championne olympique à Rio cet été. Là, nous allons rentrer dans une nouvelle dimension. Donc, c'est un des duos qui se prépare pour les Asia Games, qui est entraîné par l'actuel entraîneur national Mayuko, qui est une japonaise, donc qui est entraîneur national depuis 2 ans en Chine. Et donc elle est allée dans ce club-là puisqu'aujourd'hui elle n'a plus d'équipe nationale puisqu'elle se prépare pour les Asia Games. Et en effet, je pense que ça peut être très certainement le duo national pour les championnats du monde. Thématique espagnole. Alors on voit déjà la hauteur des filles qui sont mi-cuisse-fesses. Et la précision. L'utilisation de la souplesse également de Sun.
Ouais, ça c'était la partie artistique, maintenant on va partir un petit peu plus technique, je pense. C'est un peu sur place là. Il va falloir avancer. Ça va monter crescendo. Ouais, très belle vrille, là c'était nickel. Ensemble, hauteur et exécution technique, très bien. Avec le travail des jambes là qui était effectivement propre. Hein. Très belle poussée grand écart, vous avez vu la hauteur et ouais, ça le sort grand bien. Écart. Ça sort bien. Et la synchro bien entendu. Elle manque de glisse, hein, vraiment, ça fait deux fois là que je les trouve vraiment sur place. Ça en international, championnat du monde, si c'est le duo qui est sélectionné, ça suffira pas. Oui, une figure à deux originale, mais qui avait déjà été faite par les Russes. Tout à fait. Qu'on a revu tout à l'heure aussi. Joli bras. Voilà, travail de petit jeu de jambes là par contre qui est vraiment compliqué en deux jambes en l'air. Et c'est bien. Allez, ils ont coupé leur longueur là, leur troisième longueur qui n'est pas finie. Ouais, manque de synchro sur cette fin, mais par contre c'était une grosse difficulté d'isolation, petit jeu de jambes, finir sur la vrille également. Ça, c'est une, voilà, pour moi la plus grosse figure c'est la dernière en fait. Mais le reste, vous n'avez pas été impressionné? Bah, pas tant que ça. Alors dans l'exécution, oui, ça va être les meilleurs là depuis le début, c'est sûr. Hauteur, exécution et malgré tout difficulté, mais il n'y a pas de grosses. Je retiens pas de grosses difficultés. Qui est tournée en l'air pendant longtemps, avoir les deux jambes en extension. Elles reviennent beaucoup sur la descente, sur la surface en plié. Donc je pense qu'elles peuvent mieux faire. Bon. Et par rapport à la première, le premier duo chinois, ce sera au-dessus. Ça sera au-dessus. Oh, oui, c'est quand elles arrivent, de toute façon, on sent leur maîtrise qui est vraiment meilleure. Après, c'est moi, je chipote. Mais oui, mais on vous sait très, très précise sur vos commentaires. Et effectivement, très. Comment dire bien, vous cherchez toujours la perfection. Et effectivement, c'est vrai qu'on est là pour ça. Hein, on est là pour donner le meilleur et voir le meilleur ici non, au MUF. Clairement, si c'est donc le duo. Ça peut l'être, ça peut ne pas l'être. Hein, parce que la soliste Huang, justement. Et n'est pas là avec son club, elle n'est pas venue alors que son club est là. On ne sait pas encore si elle va réintégrer le duo ou pas. On ne sait pas si ça va être deux autres duettistes aussi. Donc il y a beaucoup de questions, mais c'est un duo qui y prétend en tout cas. Donc à comparer avec les Russes, le duo espagnol de l'été dernier ou d'autres japonaises, pour ma part, techniquement, ce n'est pas assez fort. En tout cas, les juges considèrent que c'est nettement au-dessus des autres compétiteurs. C'est le cas, hein. On est d'accord. Voilà, 91 points, 53, 33, avec une exécution à 27,5, une impression à 36 points, 93, 33 et une difficulté à 27,1. On est passé dans une autre dimension, comme on disait tout à l'heure, effectivement. Oui, c'est ça. Là, c'était une autre dimension. Donc, voilà, et on compare ce qui était comparable. Moi, je ne les compare pas aux autres de bien cette sûr, compétition. Bien sûr, bien sûr. On compare aux meilleurs internationaux. Exactement. On est déjà là sur d'autres références. Avec maintenant la République de Corée. Les Coréennes qui arrivent, Jiwan Hum et Sengmin Yeon, voilà, qui vont venir se présenter devant vous pour la République de Corée. Donc, les Coréennes qui sont assez...
variées, on va dire, en résultats. Elles peuvent être très présentes, comme un petit peu moins, ça dépend des années. Il y a quelques années, elles ont été championnes du monde junior en duo, donc elles avaient réussi à battre les Russes, il y a plusieurs années de ça, hein, je vous parle. En senior, elles sont là, elles sont pas là. Je pense qu'elles ont des problèmes économiques également, mais elles ont une bonne école technique. Et quand elles sont présentes, on les remarque quand même. Voilà, on peut voir la différence avec les chinoises qui viennent de passer. Là, c'est je balance mes jambes, c'est pas je j'arrête et je lance mes jambes exactement là où je veux, comme je veux. Cela dit, elles ont bien avancé par contre, elles, plus que les chinoises cette fois-ci. Ouais, tout bien de suite. Présente au sein de ce bassin, effectivement, ça se déplace. Bon, il va falloir surveiller qu'elles elles reviennent vers le bord maintenant. Une originalité pour sortir les mains alors qu'on est en figure, donc on manque d'appui. Petit problème technique sur les vrilles individuelles. Portée qui aurait mérité d'être dans l'autre sens parce que du coup ça les fait un peu reculer. Vous avez vu là comme elles sont proches, elles sont limite l'une sur l'autre. Ça fait un effet artistique qui est sympa. Bon, elles n'étaient pas tout à fait parallèles donc c'est pas très propre. Poussée un peu poussive justement. Manque de légèreté, de dynamisme. Allez, on repart parce que là c'était un peu un travail de entre guillemets récupération sur le dos en bas les legs, donc elles n'ont pas rien fait, mais ça nous permet de souffler un petit peu plus que quand on a des figures. Pour pouvoir relancer la dernière partie avec une musique qui n'a pas changé, hein, du début à la fin. Toujours Prodigy, hein, on est retourné dans les années 90 au niveau de l'électro. La note portée, bien. Pas très dynamique, mais bien. Elle est poussée, grand écart. Et la fille qui était au fond de vous, dans le bassin, pour vous, a fait une grosse faute technique, c'est-à-dire qu'elle est tombée dans son dos. Et c'est la fin pour les Coréennes Jiwon Hum et Sungmin Yeon. Oui, habituellement, je ne sais pas si c'est un nouveau duo. Je n'ai pas vraiment fait attention au nom, mais c'est des filles qui sont quand même plus précises habituellement là. Elles ne l'étaient pas trop, donc peut-être qu'elles sont en phase de travail. Bon. Je vais dire petite déception de la part de Virginie, mais en tout cas... pas au niveau des exigences après, pour le moment. Après, de toute façon, là, on est au mois de mars, donc exactement. Elles peuvent encore bien progresser d'ici le mois de juillet. Un petit mot sur l'absence des Russes, qui, encore une fois, au JO ont été bien présentes, mais qui, du coup, là, soufflent un peu, c'est ça? Elles se préparent pour la suite Depuis des années, là, elles sortent très rarement. Donc, on a des Russes ici, mais c'est des Russes de club qui sont là en individuel. L'équipe nationale sort pas très souvent et en plus, oui, après les Jeux Olympiques, peut-être qu'elles ont quand même changé un petit peu des filles et il faut qu'elles se préparent discrètement. C'est leur méthode aussi. La stratégie pour conserver le plus secret possible leur programme. 73.6, c'est la note des Coréennes avec une exécution à 21.6, une impression à 30 et une difficulté à 22. Elles sont derrière les Françaises. Oui, et oui. Et malgré la musique très dynamique, alors qu'elles sont plus âgées, hein. Eh bien ouais, le programme n'était peut-être pas aussi dynamique que cela. Et les Japonaises qui arrivent avec, on va retrouver Yukiko Inoue, qui a déjà nagé ce matin, sur les techniques, et qui est là avec nous au JO également, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Donc qui est médaille de bronze en duo et en équipe à Rio cet été.
Donc, l'équipe japonaise qui a récupéré leur coach qui était parti en Chine pour justement à Londres, au moment de Londres. Masayo, qui est vraiment un entraîneur réputé et qui a une école très très forte, est revenu et ça se voit depuis 2 ans. Donc ce sont des filles qui ont récupéré leur médaille olympique. Super portée, très originale et vraiment véloce. Il faut avoir une sacrée tenue du corps pour pouvoir tourner comme ça après un éjecté. Voilà, c'est précis, on le sent. Hein. Pas trop de bouillon, comme on peut le dire. Alors, sauf là, mais c'est fait exprès. Belle hauteur, on voit donc le maillot hors de l'eau. Donc le but c'est ça, hein. Quand on a les jambes hors de l'eau, il faut essayer de voir le plus possible le maillot hors de l'eau. En deux jambes en l'air, comme c'est le cas là, c'est compliqué. Quand on en a une, c'est obligatoire. Cela dit, elles font beaucoup de bouillons là. Elles sont présentes en tout cas. Hein. Et elles bougent bien. Elles sont déjà en train de revenir sur la deuxième longueur. Je sais pas combien de secondes on est, mais... Ouais, ça n'a pas perdu de temps en tout cas, hein, effectivement. Ouais, poussée assez haute. Pas très jolie pour à mon goût. Ça, c'est bien leur spécialité, des tours très rapides et avec vraiment la même énergie. Partie plus lente et artistique, un tout petit peu de récupération, un effet miroir, petit porté. Donc on peut voir une belle hauteur là sur le mi-cuisse, une vrille qui est bien exécutée et surtout bien tenue. D'une deuxième. Il va falloir relancer là parce qu'on tombe un petit peu au niveau énergie. Voilà, là je les trouve quand même moins légères qu'au début. Il ne se passe pas grand chose non plus au niveau technique. Voilà, tout ça clairement c'est des figures qui sont très basses. Je trouve que c'est pas de leur niveau. Bon, ça finit mieux avec des obliques et des petits jeux de jambes. Donc la dernière figure, ouais. Début très simple, fin. Bien. J'ai le sentiment qu'on est resté quand même très sur le côté droit. Hein. Au début. Ouais. Et puis après, à un moment, ça s'est arrêté. Elles sont allées partout, mais elles ont fait dans un petit cercle. Ouais. Elles n'ont pas été aux extrêmes du bassin. Non. Elles ne sont pas allées vers le zénith, puisque c'était le titre de leur morceau Toward the Sun. Et oui, alors est-ce que les notes vont aller au firmament? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, car si les juges sont comme vous, Virginie, ils vont être exigeants et on peut être un petit peu. On est un peu resté sur notre fin avec un tel duo. Moi, je trouve que justement la deuxième partie, il se passe pas grand-chose. Et voilà, la dernière figure arrive, mais ça fait un peu tard. Et par contre, il y a un super début, vraiment avec les portées, l'ensemble à deux aussi est assez sympa. On rentre bien dedans, peut-être plus que les chinoises, donc ça va donner une bonne impression au juge au départ. Mais voilà, après il faut pas se faire influencer parce que la suite pour moi est pas à la hauteur non plus. Alors à suivre juste après justement la suite, ça va être les françaises, ce seront les françaises, les sœurs Tremble qui vont être là dans quelques instants. Mais pour l'instant, les notes des japonaises, et c'est effectivement un tout petit peu en dessous de nos amis de Yunnan de Chine. Loin, hein. Mais c'est pas bien loin, ça se joue à quelques dixièmes de points. On est en 91.36.67, je vous rappelle que les Chinois étaient en 91.53.33. La différence, l'exécution est nettement supérieure. Ouais, elles sont devant en fait en difficulté. Ouais.
malgré tout. Ouais. Et elles devant. Sont derrière sur les deux autres. Ouais, légèrement, effectivement. Et c'est là où ça joue. Les Françaises qui arrivent maintenant avec les supporters dans les tribunes. Qu'elles nagent devant leur public, ça fait plaisir. Hein. Ça fait quelques années qu'on a donc 7 ans grâce à ce Make Up Forever à la piscine de Montreuil qu'on peut nager devant son public français. Et c'est quelque chose de très agréable et très important pour le moral également. Et c'est Julie Fabre qui entraîne les sœurs Tremble, qu'on connaît un petit peu plus, hein, peut-être que les autres duos français, puisque elles sont là depuis un petit moment et on les a déjà vues. Donc oui, nous aussi, nous avons notre paire de jumelles qui sont duettistes de l'équipe junior depuis 2 ans. Donc cette année, elles prétendent à la place du duo senior. Donc elles sont en concurrence avec un autre duo. Elles sont encore juniors cette année, donc elles préparent les championnats d'Europe et elles espèrent aller aussi aux championnats du monde senior, on le saura bientôt. Sur le thème Angels de la bande originale Columbus Circle. Belle difficulté là, monter en cambré, travailler en oblique, c'est bien ça, très sympa, joli, très belle tenue. Imprécisions. C'est une belle première figure, elles ont bien glissé également. Il faut se tenir techniquement là sur les grilles. Beaucoup de travail sur le château, donc le château c'est une figure avec une jambe à l'horizontale en arrière cambrée, une jambe verticale, donc c'est une des grosses difficultés dans la synchro. Voilà, travailler deux avec un porté. Il manquait un tout petit peu de tenue, mais qui était bien. Des travail, du travail sur les obliques, c'est très intéressant, c'est bien, elles étaient un petit peu, elles sont un peu cassées donc sur l'exécution de finition, un peu sur le ventre, bien ça, cette vrille. De bons déplacements en tout cas, hein. ça bouge beaucoup. Inspiré des Russes qui est changé, hein, mais c'est une jolie inspiration, très sympa. Allez, attention à la technique, il y a des penchés là, travail de deux jambes en l'air encore. On peut voir par exemple par rapport aux Chinoises qu'elles manquent de hauteur, hein, elles sont juste aux genoux, alors les Chinoises sont largement mi-cuisse en deux jambes en l'air. Bon, est-ce qu'il peut leur manquer dans l'avenir à travailler? Ça reste des juniors. Hein. C'est pas du tout une critique. Alors le barracuda, je sais pas s'il se voulait pencher ou si c'était vertical, je tombe. Donc ça, voilà, ça finit un peu sur un point d'interrogation, il faut faire attention à cette attention technique. Mais voilà, très riche. Un bon démarrage en tout cas. Ouais, 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 non, mais un très joli duo, puisque c'est un nouveau, hein, c'est une nouvelle chorégraphie qu'elles ont fait. L'année dernière, elles avaient repris des duos seniors, notamment celui du Lac des Cygnes de Sarah et Chloé qui étaient partis à Londres. Donc elles ont l'habitude de reprendre des chorégraphies. Là, c'est une chorégraphie qui a été faite pour elles. Avec Julie Fabre, donc Julie Fabre qui est l'entraîneur du duo olympique depuis des années. Oui, qui était à Rio encore cette année. À Londres et à Rio, qui a participé aux Jeux d'Atlanta dans notre équipe. Donc c'est une ancienne très bonne nageuse également. Voilà. Là... Elles peuvent être contentes, hein, je pense, pour leur première sortie de l'année internationale. C'est un très joli duo. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bien.
pour l'instant une bonne impression hein, des duos français. Hein, c'était mm-hmm. plutôt agréable dans un cas comme dans l'autre. Voilà, la note de 83.1667, une exécution à 23.9, l'impression à 33.8667 et une difficulté à 25.4. Quatrième pour le moment. Mmh. 83.116. Ouais. Elles sont pas très loin des Américaines. Hein. Non, puisque les Américaines... 83.8, c'est vraiment pas mal. Hein. Oui, les Américaines 83.8, effectivement. Avec 24-9, 33-6 et 25-3, effectivement, c'est là que ça se joue. Donc devant les japonaises, les deux duos chinois, c'est la Chine. Pas mal pour des juniors. Et, tout à fait, et les États-Unis. Allez, à suivre maintenant les Anglaises, Isabelle Thorpe et Kate Shortman. Des toutes jeunes nageuses également, en 2001, toutes les deux. Effectivement, à peine 16 ans. Peine 15-16 ans. Peut-être même pas, 14-15 ans, même, pardon. Ouais, jolie pose également artistique. Donc les Anglaises ont sorti pas mal de duos et toute l'équipe est junior aussi, puisque les deux duettistes de Rio ont arrêté. Jolie portée, très belle hauteur. En même temps, avec le poids qu'elle fait, ça doit être facile de la porter. Une petite puce qu'on avait vue au championnat d'Europe junior, championnat d'Europe senior à Londres l'été dernier en pré-swimmer, solo pré-swimmer. Et elle m'avait impressionnée d'ailleurs. Voilà, petit problème de synchro. Ça se veut rapide, mais pas très synchro. Ouais, une composition de Dave Garrett, Beethoven Scherzo. Bien sur la vrille. Bien fini parce que c'était pas là aussi très bien. C'est vraiment un risque quand on lance une vrille comme ça. Elle est pas marquée de demi en demi. Elle est vraiment lancée en continuité et c'est compliqué à mettre ensemble. Donc c'était une jolie difficulté. Bien exécutée. Elles sont très proches du jury. On a même nous du mal à les voir. Elles sont juste devant la table effectivement. Voilà, avec nos caméras, on ne loupe rien. En tout cas, les Anglaises sont là. Super hauteur de la poussée faciale. Vous pouvez voir là le travail des mains. Deuxième partie de ce duo. Elles profitent de la légèreté de la petite soliste, hein, avec les petits portées qu'elles font, là, elles sont sympas. Ouais. Là, elle fait une partie un tout petit peu plus lente, ça va repartir, ça va relancer, là. Ah, vous voyez là sur le dos, elles étaient un petit peu sur place. Normalement, dès qu'on s'allonge, on doit faire des battements à fond et se déplacer. Là, ça n'a plus trop bougé. D'ailleurs, la synchro en pâtit également. Un peu moins synchro sur leur grille, qui était vraiment très bien au début. Ça, c'est joli aussi. Une grille en oblique, l'ouverture. C'est intéressant ce qu'elles proposent les Anglaises. Des juniors. Ils seront là au championnat d'Europe, juniors. Belle hauteur, hein, toutes les deux. Sur les deux jambes en l'air, là. Les Anglaises qui ont terminé, The Great Britain, Isabelle Thorpe et Kate Shortman. Ouais, un peu dur au milieu du ballet, elles ont bien relancé sur la fin. Voilà, une partie au milieu qui plombait un petit peu et qui a manqué aussi un peu de synchronisation. En tout cas, effectivement, une belle dynamique. On va voir ce que les juges en ont pensé dans quelques instants. Alors,
les Anglaises qui ont eu un gros chamboulement également après Londres, donc elles avaient de l'aide, elles avaient une équipe qui était pas mal du tout pour préparer les Jeux puisqu'elles étaient sélectionnées d'office en équipe. Ouais, mais depuis. Et depuis, en effet, pratiquement tout le monde a arrêté. Une des deux duettistes, Olivia, est revenue pour Rio avec une équipière, Katie. Là, elles ont arrêté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne fonctionne pas du tout comme chez nous, où nous avons finalement la chance d'avoir une fédération et qui nous prend en charge quand on part en déplacement. Là, en Angleterre, il faut trouver ses partenaires et des financements, en fait, également pour s'entraîner toute l'année. Alors que nous, l'équipe de France, elles sont à l'INSEP. Alors les seniors, après les juniors et tout ça, c'est toujours plus compliqué parce qu'elles sont dans leur club et qu'on se bat toutes pour avoir des créneaux. Mais en senior, en tout cas, on est assez bien lotis à l'INSEP, dans un super centre. Alors voilà, les Anglaises, bah, elles n'avaient plus du tout le budget. Elles étaient ici d'ailleurs au make-up il y a 2 ans, elles ont su que ça a été voté, elles n'avaient plus aucune aide. Donc l'entraîneur, qui est l'actuel entraîneur des États-Unis, a dû partir puisqu'elles ne pouvaient plus être payées. Oui, c'est un peu le problème de ce système-là qui amène l'offre et la demande. Hein. Sur certains sports, effectivement, quand il y a des médailles, on les aide. Et sur d'autres sports, eh ben, forcément, qui auraient besoin d'être aidés, c'est moins le cas. Voilà. Donc voilà, c'est une restructuration. Et pour ces jeunes juniors, moi, je trouve qu'elles ont du talent, en tout cas. Et si on arrive à bien les entraîner, il faut les suivre. Un nouveau duo israélien qui arrive maintenant devant nous avec Eden Blecher et Yael Polka. Yael Polka et Eden Blecher dans quelques instants. Ce sera le deuxième duo. Le troisième, effectivement. Troisième duo israélien. Voilà, et ça sera a priori ça sera le dernier de la journée. Sur une musique entraînante de Goran Bregovic. Avec une présentation sur les 30 secondes très originale. Je les avais vues à l'entraînement, c'est sympa ce qu'elles ont fait. Vous pouvez voir la nageuse de derrière qui compte, puisque là justement on n'a pas de musique, donc il faut bien qu'il y en ait une qui compte pour qu'on soit synchro, qu'on soit ensemble. Donc en fait, je vous disais tout à l'heure que la duettiste des Jeux de Rio avait continué, en effet, mais elle est dans le solo et elle n'est dans aucun des trois duos. Donc c'est vraiment de nouveaux duos qui se préparent. Ici des nageuses de 97. Voilà. Avec une fin de figure très originale, qui est synchronisée mais travaillée en symétrie. Pour que ça marche bien, il faut que ce soit très proche, les trouver un tout petit peu loin l'une de l'autre. Elle se rééloigne également. Belle hauteur là sur cette grille. Les Israéliennes qui ont des petites touches originales hein, qui recherchent ça. Tout le temps, c'est souvent le cas. Ouais, les Israéliennes fidèles hein, au Make Up For Ever depuis de nombreuses années, toujours présents pour ce rendez-vous. Qui, on le rappelle maintenant, est suivi par nos amis de la FINA. On est dans les World Series qui vous permet de vivre ce live en direct sur la chaîne YouTube de la FINA. Vous avez pu voir des battements qui sortaient un petit peu de l'eau et qui n'étaient pas très efficaces en fait. Elles ont vraiment voulu appuyer sur leurs jambes mais ça avançait pas trop malheureusement. Donc ça c'est tout le travail de la natation hein, qu'on fait en amont. Donc il faut savoir qu'on se tape, parce que c'est comme ça qu'on dit aussi, des bornes en natation en début d'année beaucoup pour retrouver les appuis et à chaque fois après, à chaque échauffement bien entendu, on commence par de la natation. Et avant, il y a plusieurs années, pour entrer en équipe de France, il y avait un temps sélectif minima à faire en natation en 400 cadets nage, moins de 6 minutes. Après, c'est passé en 400 libre, je ne me rappelle plus le temps. Et aujourd'hui, ça a disparu, mais voilà, sachez qu'avant, si on ne se faisait pas ces minima de natation, on ne faisait même pas la sélection synchro. Oui, donc obligation de,
d'un certain niveau. Alors une fraîcheur qui manque un petit peu sur la fin du ballet là. Et ouais, donc... ça se termine un petit peu comme ça, hein. Dommage. La fin en effet un peu sur le côté, donc elles ont un peu moins bougé en effet que les autres pays. Elles ont fait que 3 longueurs. Sur la plupart des pays, on faisait 4 ou en tout cas 3 et demi au moins. Là, elles finissent à peine la troisième longueur. Le troisième duo israélien qui était sur votre écran à l'instant, Eden Blecher et Yael Polka, qui vont découvrir leurs notes dans quelques instants. Nous aurons ensuite l'Ouzbékistan qui viendra nous rejoindre. Et puis un duo suisse, puis il y aura une courte pause, hein, puisque c'est la tradition après 16 duos. Et puis nous aurons ensuite la deuxième partie de ces duos libres. Alors nous allons finir, on l'a pas précisé, mais on va finir avec 3 duos mixtes qui sont vraiment exactement à la suite. Donc ils n'ont pas mélangé, parce que je pense qu'il va y avoir un deuxième podium, alors que d'habitude les duos mixtes faisaient partie, en tout cas au Make Up For Ever, de la même compétition que les duos filles. Et là, ils sont à la suite. De mémoire, et de mémoire, l'année dernière, nous en avions eu un. Il y avait les Ukrainiens, il me semble. Voilà, exactement. Et là, nous en avons 3. C'est exactement. Pas pour vous déplaire, Virginie, vous qui avez présenté effectivement un duo mixte cette année. Il y en a un nouveau, puisque bon, l'Italie et le Japon n'étaient pas encore venus ici présenter leur duo mix, mais on les connaissait. Et cette année, nous avons l'Allemagne qui se présente. Donc c'est une nouvelle paire qui vient d'arriver dans cette nouvelle discipline. La note des Israéliens, 74 points, 23, 33. Ce sera la note de ce troisième duo avec une exécution à 21,9. Une note artistique à 29,73,33 et une difficulté à 22,6. Oui, il y a encore pas mal de choses à faire avec ces Israéliennes. Et les Ouzbeks qui viennent nous rejoindre, Anastasia Rousmetova et Gulsanam Yuldasheva. Les Ouzbeks qui ont un peu quand même une école russe également, donc ils nous proposent souvent des choses très intéressantes. Donc, elles changent quand même très souvent aussi de filles, ça doit tourner pas mal. Je ne sais pas du tout quel est leur fonctionnement dans ce pays. À noter que nous aurons un deuxième duo d'Ouzbékistan. La geste de 92 et 97. Première figure originale. Il suit bien aussi la musique. Pas très très rapide. Mais sympa. Dommage sur la vrille, elles sont bien ensemble sur les mouvements, c'est juste la vitesse de rotation, il y en a une qui arrive en retard sur les deux fois. C'est un travail d'explosivité. Je peux rappeler que la synchro est un sport vraiment très complexe et on ne travaille pas uniquement dans l'eau, on fait beaucoup de préparation physique à l'extérieur. Donc il peut y avoir une préparation physique avec de la musculation, comme générale sur du rameur. Et ce qui se fait énormément également, c'est le travail des portées sur trampoline, à sec, portées entre nous, puisqu'en bas d'équipe, vous verrez les portées. On a vraiment besoin d'une discipline gymnique aujourd'hui. Voilà, il y a tout un travail cardio et physique qui est fait à l'extérieur du bassin. Ensuite, il y a la création de la chorégraphie en début d'année. Et après, la répétition pour que ce soit bien exécuté et l'enchaînement pour pouvoir le tenir correctement du début à la fin.
un mix très dynamique hein, avec du Pharrell Williams qui emmène ce duo pour le moment. Oui, donc elle baisse un petit peu de régime dans l'exécution, dans la façon de nager également, les vrilles qui tombaient un petit peu. Allez, il faut relancer, il faut essayer d'être un petit peu plus précise, c'est un peu brouillon. Ouais. Manque d'un petit truc hein, quand même. Bien là sur cette vrille par contre. C'est pas super rapide, mais c'était très ensemble et droit, donc elles ont bien fini. Ouais, il manque un petit truc pour emporter le public, pour mettre un petit peu plus le feu à la piscine du stade nautique Maurice Thorez. Surtout après 16, 10, 15 balais, on peut décrocher, donc c'est vraiment important de garder l'attention. Effectivement. Avec l'exécution. Anastasia Rousmetova et Gulsanam Yuldasheva qui représentent l'Ouzbékistan. Je vous le disais tout à l'heure, il y aura un deuxième duo ouzbek hein, qui sera à l'honneur et qui viendra tout à l'heure dans la deuxième partie. On va avoir encore un petit duo pour vous dans quelques secondes. Exactement, les Suisses qui vont venir nous rejoindre dans quelques instants. Qui est un duo de club. Oui, les Suisses qui étaient déjà présents par club l'année dernière aussi. Alors, les notes des Ouzbeks qui sont un petit peu au-dessus des Israéliennes qu'on a vues il y a quelques instants, avec une note d'exécution à 22.3, exactement 29.3, 1333 en artistique. J'avais l'impression que c'était la même chose que pour l'artistique des Israéliennes, c'est un petit peu en dessous. Et 22.8, un petit peu au-dessus au niveau de la difficulté par rapport aux Israéliens il y a quelques instants. Ouais. Voilà, 74 points, 4333. Okay, une place provisoire de la 10e place sur 15. Et voici le 16e duo et qui viendra clore la première partie de ces duos aujourd'hui. Dans la piscine du stade de nautique Maurice Thorez. Éliminatoire. Exactement. On retrouvera, on vous rappelle, les meilleurs duos que vous avez vus cet après-midi, demain en technique et puis en mix et en libre. Ce sera dimanche après-midi. Maxence Bellina et Maria Pifaretti. On voit bien leur maquillage là, donc, puisque l'Open s'appelle Make Up Forever, c'est pas pour rien. C'est notre partenaire principal et nous avons la chance sur cette compétition d'avoir des maquilleuses. Alors pas tous les pays peuvent être maquillés puisque ça ferait trop de temps. Il y a un tirage au sort, donc certaines en bénéficient. Et donc on a la chance d'avoir au moins un exemple et on peut observer comment elles font pour pouvoir après le reproduire puisque habituellement c'est les nageuses hein, qui se maquillent toutes seules. C'est bien ça sur la première figure, bien précise, dynamique. Voilà, manque un petit peu de hauteur, un peu trop de bouillon mais c'est vraiment bien, bien exécuté. Ah, c'est dommage, elles s'éloignent alors qu'elles étaient proches. Elles ont rectifié. Belle présence en rétro avec des belles poussées aussi. Bien nager jusque là pour les Suisses. Bien dynamique également. C'est une belle paire, hein, elles nagent vraiment bien toutes les deux. C'est une jolie poussée grand écart là avec une belle hauteur. Elles tiennent bien tous leurs mouvements.
dommage, là c'était un petit peu différent. Petit porté. Ils sont presque au bout du 25 mètres sur leur troisième longueur. Ah dommage la technique là sur la vrille parce que c'est bien synchro sinon. Allez, on entame la dernière longueur. Qui revient un petit peu sur son sur ses pas là, ça mériterait d'aller voir le jury au fond. Oui, un petit peu délaissé en ce moment le jury du fond. Hein. Enfin celui de gauche pour vous. Allez, il faut tenir jusqu'au bout sur la synchro parce que c'était vraiment très bien jusque là. Bien, deux jambes en l'air sur la dernière, isolation. Ouais, il manque un peu de hauteur mais c'est vraiment bien exécuté. Oui, c'est bien enlevé, bien enlevé. On a suivi ça attentivement, effectivement. Ça a été rapide, efficace. Et on va découvrir les notes dans quelques instants. Et juste après une petite pause qui nous permettra de faire un petit point sur ces 16 premiers passages que vous avez vécu avec nous en intégralité sur la chaîne YouTube de la FINA. Je vous rappelle que désormais le Make-up Forever, l'Open Make-up Forever fait partie des World Series en natation synchronisée. Ça nous permet de vous faire vivre tout cela et puis bien sûr vous retrouverez les replays juste après automatiquement sur la chaîne FINA et puis bien sûr sur la chaîne Dailymotion de la Fédération Française de Natation en cours de soirée. Voilà, avec les Suisses qui en terminent. Donc pour une petite explication complémentaire sur le World Series, donc c'est nouveau pour le Make-up Forever, mais c'est aussi nouveau pour la synchro. Donc c'est la première fois qu'on nous a proposé de faire un World Series comme il existe en plongeon et comme il existait en natation, course. Donc en fait, il y a plusieurs étapes dans l'année à différents endroits. Il faut avoir participé à un minimum de compétitions pour pouvoir prétendre au résultat total final de ce World Series. Donc on a vraiment, on est chanceux, mais on est très privilégié de faire partie de ce World Series avec le make-up. Et c'est une très bonne nouvelle pour les nageuses de synchro parce que ça n'existait pas et qu'il y a un prize money également sur ces compétitions qui n'a jamais existé avant dans notre sport. Ce qui n'est pas négligeable. 79.8, c'est la note des Suisses. C'est pas très cher payé par rapport à ce qu'on a vu, hein, parce que c'était pas mal. Ça les met à la 7e place, c'est ça ? Voilà, 7e place exactement, provisoire pour l'instant. À noter donc que on va peut-être faire un point sur le classement dans quelques instants. En tout cas, ce sont les Chinoises de Yunnan qui sont en tête actuellement avec 91 points, 5333. Nous avons à 91.36, 67, donc juste derrière les Japonaises, effectivement, et les Américaines qui sont troisième avec une note de 83.8. Puis les Françaises et après. Les Françaises qui sont quatrième avec 83.16, si je ne me trompe pas. Voilà, deux Françaises qui ont effectivement deux duos français qui ont fait une belle impression cet après-midi. Bien, elles avaient l'air aussi contentes d'elles-mêmes, donc en effet on ne sait pas trop ce qu'elles ont l'habitude de faire à l'entraînement, donc on a toujours besoin du retour de l'entraîneur, de savoir comment ça s'est passé aussi dans leur feeling. C'est, comme je le rappelle, hein, c'est une étape cette compétition, c'est pour la suite une préparation, donc il y a forcément des choses qui ne vont pas et qui peuvent être améliorées. Mais mieux on se comporte ici, mieux c'est. On va découvrir le classement dans quelques instants, voilà, classement provisoire bien sûr, après les 16 premiers passages, voilà, qui ne devraient pas tarder, avec ces 16 premiers duos, et puis après il va y en avoir 16 autres, un petit peu moins qui vont arriver, voilà, comme vous le disiez, hein, les Chinoises, les Japonaises, les Américaines, les Françaises, juste devant l'autre duo chinois de Shanghai. Très, très bien, parce que les Chinoises de Shanghai avaient un sacré niveau. Donc non, c'est très bien. Voilà, et puis les... Le deuxième duo français qui est à la 8e place alors qu'elles sont minimes. Ouais, toutes jeunes françaises. Effectivement, tout à l'heure, Camille Bravard et Laura Gonzalez. Et puis après, les Anglaises, les Israéliennes, les Ouzbeks et les Israéliennes. Voilà, qui sont dans un mouchoir de poche. Et puis ensuite, la suite de ce classement, voilà, avec les autres équipages. Et avec les autres duos, pardon, avec les autres...
duo à venir, hein, voilà, bien sûr. Donc ça vous donne une petite idée de ceux qui vont arriver après. Voilà, les Slovaques, les Autrichiennes, les Singapouriennes, les Argentins. Duo argentin qui sera là, voilà, les Biélorusses, des Allemands et toute une autre liste Françaises. Encore, et des Françaises à suivre, puisque nous aurons encore deux duos français, Solène Lussault avec Estelle Anaïs Hubot, et puis là, ce sont des seniors. Voilà, et puis ensuite nous aurons Maureen Jenkins et Eve Planex, dont on nous dit le plus grand bien. Elles encore juniors aussi, même un an de moins encore que les jumelles. Voilà, donc des plus confirmés, des plus jeunes qui vont venir nous rejoindre dans quelques instants. Le temps de peut-être nous dire un petit mot, Virginie, des différentes activités qui vous occupent en ce moment. Je sais que vous êtes auprès des coachs de l'équipe de France, vous êtes auprès des nageurs, notamment avec ce matin les Canadiennes, voilà, une d'entre elles qui était sur les solos techniques ce matin et que vous entraînez actuellement, avec aussi un rôle important pour la candidature de Paris 2024. On peut dire un petit mot de tout ça. On commence par quoi? On va commencer par Paris. Très bien. C'est l'actualité du moment. C'est un projet qui nous tient tous à cœur. Hein, tous les sportifs qui ne rêvent pas d'avoir les Jeux Olympiques dans son propre pays. Donc on œuvre pour ça, nous les anciens. Donc je fais partie en effet de la commission des athlètes avec Tony Estanguet qui est le président de cette structure. Le président de la commission des athlètes, c'est Teddy Riner, qui est double champion olympique de judo. Un autre gabarit que le vôtre, hein, comme ça, un petit peu différent. Je ne comprends pas. Je l'ai porté dans la mer. Donc c'est vrai, ah bah voilà. Ça, c'est l'avantage, hein, la poussée d'Archimède. C'était rigolo. D'accord. Donc, oui, tout à fait. On est aujourd'hui plus que deux candidats sur cette candidature, puisque des pays se sont désistés. Oui, ça, c'est un petit peu éclairci, on va dire, hein, avec Budapest. Les derniers en titre. Qui nous a vraiment étonnés parce qu'on les savait prêts. Rome également et une ville d'Allemagne qui est partie très rapidement. Donc, qui reste le plus gros concurrent, on le savait dès le départ, c'est Los Angeles avec nous. On a pour l'instant un gros dossier. Tous les dossiers ont été transmis. Le vote sera le 13 septembre. On œuvre. Ça sera à Lima, au Pérou. Donc, tout à fait. On œuvre pour juste le faire savoir encore en France. Il y a des gens qui ne le savent pas. Faire comprendre qu'est-ce que ça peut apporter à notre pays, à notre ville également, à Paris, parce que même si c'est une ville très touristique, ça peut apporter beaucoup de choses, beaucoup de bien. Dans le milieu du sport, forcément. On sait très bien, comme avec l'Espagne, ce que ça a fait après Barcelone. Bien sûr. À l'intérieur du sport, chez nous en particulier, le monde de la natation, puisque nous n'avons pas de piscine, d'infrastructure qui peut accueillir ne serait-ce que des championnats d'Europe, puisqu'on n'a aucun plongeoir aux normes internationales. Oui, c'est le seul écueil, enfin, c'est la seule chose encore à mettre au point pour qu'on soit parfait. On n'a pas grand-chose à construire, on a le bassin aquatique, après tout le reste est positionné dans Paris, est très bien positionné. Voilà, donc économiquement on est vraiment bien placé. On travaille aussi sur l'après, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il se passe des choses comme il a pu se passer à Athènes ou à Rio, là même cet été. Oui, avec des infrastructures qui tombent en obsolescence après. Donc ça, c'est vraiment aussi un sujet qui nous tient à cœur. Et voilà, c'est bien parti et j'espère qu'on entendra des gens heureux et qui nous soutiendront. Et ce ne sera que du positif. Ouais, avec effectivement, oui, des retombées intéressantes, bien évidemment, à tout niveau. Hein, c'est important de le rappeler. Et puis, c'est vrai que là, on est sur une candidature qu'on a déjà eu l'occasion de présenter. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Hein. Paris 2012, on a eu les JO aussi avant qui avaient été présentés préalablement par la ville. À chaque fois, on s'est dit, ça va être bon. Passer. On était peut-être un petit peu trop sûr de nous, hein, parfois. Et on s'est dit, lumière est tellement belle que ça va suffire. Mais là, en tout cas, on sent en tout cas que ça œuvre en amont à tous les niveaux et que tout le monde a envie d'y aller. Et surtout les athlètes, et c'est ce qui nous avait manqué en 2012, c'est que le monde du sport était là, mais pas tant que ça, les athlètes. Et finalement, l'expérience des anciens athlètes et des athlètes qui ont réussi, leur point de vue dans l'organisation est primordial. Et là, ça a vraiment été travaillé en amont et main dans la main avec la ville de Paris. Et je pense que ça peut être une belle réussite. Eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à, hein, on le sait, on rêve des Jeux, hein, tous ici, notamment dans le stade nautique Maurice Thorez, parce que c'est aussi dans le cadre de ces événements qu'on peut faire la promotion. Exactement. De Paris 2024. Je sais que vous aurez l'occasion d'échanger avec les athlètes ici présents pour justement... Oui, il y a plein d'athlètes qui nous soutiennent, hein, donc nous on a évidemment justement un petit signe si vous voulez le faire. Voilà, alors on fait comme ça. Ça veut dire, en fait, c'est par ici. Voilà. Ça signifie Paris en langage des signes, des sons muets, et on peut faire une photo
photo avec ce symbole-là, ce qui signifie qu'on soutient cette candidature et qu'on a envie qu'il y ait les Jeux à Paris. Donc n'hésitez pas à le faire. Et voilà, donc n'hésitez pas et puis bien sûr continuez à suivre tout ce qui se passe tout au long de l'année, parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement sportif, et bien à chaque fois on mettra en avant les Jeux de Paris 2024. Alors ça c'est une de vos activités, et en parallèle alors vous êtes en pleine session de travail avec les coachs aussi, et puis en parallèle vous continuez à entraîner les sportifs qui sont certains, en devenir, oui, comme Jacqueline Simoneau ce matin. Demandes, oui, ça dépend un peu des années, hein, puisque moi je suis un peu un électron libre, donc j'ai la chance aujourd'hui d'être reconnue par ma discipline, notamment en chorégraphie. Donc on m'appelle pour ça et j'en suis très heureuse. C'est ma passion, donc je me fais plaisir à échanger aussi avec des jeunes nageuses. Donc, des plus jeunes et des plus confirmés, parce que Ona aussi, Carbonel, oui, fait aussi appel à vous. Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Donc c'est Il y a une grande fidélité aussi avec elle. Hein. On m'appelle essentiellement pour l'instant sur les solos. J'ai fait le duo des Jeux de Rio aussi avec les Espagnols. J'avais travaillé un peu sur leur combiné aussi avant. L'été dernier, on a commencé un peu à travailler avec l'équipe de France sur le combiné. Voilà, des idées comme ça, c'est pas du tout moi qui les construis, mais on a travaillé quelques petites choses ensemble. Et en effet, cette année, donc, j'ai une nouvelle participante, on va dire, qui vient d'arriver, c'est Jacqueline. Donc, j'ai une demande de l'entraîneur canadienne pour travailler sur sa chorégraphie. Donc, en fait, je viens pour travailler sur la chorégraphie. Et après, si c'est possible, on retravaille ensemble. Donc là, c'est vrai que sur cette compétition, elle s'est déplacée. Là, c'est une collaboration qui est toute neuve en plus. Oui, tout à fait, de 15 jours presque. Donc, et ça paye déjà ses fruits puisqu'elle a terminé sur le podium ce matin. Elle a bien nagé et en effet, elles ont profité du fait que je sois ici pour venir et continuer cette collaboration. Là, on travaille puisque là, la chorégraphie, il n'en est pas question. Elle est faite, elle sera certainement modifiée un petit peu par la suite, mais pas en compétition. Là, c'est vraiment du travail de finition. Donc, je travaille également, bien sûr, avec Ona. On a créé deux nouvelles chorégraphies pour cet été pour les championnats du monde. J'y vais de temps en temps et régulièrement la voir. Et également avec les Françaises, là, après cette compétition, a priori, je devrais travailler avec la soliste qui va être qualifiée, puisqu'il y a 3 nageuses qui se présentent ici. C'est une sélection également pour elles et on va retravailler dessus ensemble lundi, mardi prochain, donc très, très rapidement. Alors voilà. Ça, c'est dans la partie, on va dire, casquette coach, effectivement, voilà. Et puis effectivement, on va peut-être revenir quelques instants, puisqu'on a encore quelques minutes avant que la compétition ne reprenne, sur ces Jeux de Rio. Alors, pas sur la partie infrastructure, parce que ça serait un peu faire de prosélytisme pour Paris 2024, parce que voilà, on va se dire que nous, on fera toujours mieux. Mais on va surtout, on va revenir sur des bons résultats. Est-ce que c'est des bons résultats que de dire que le duo de Laura et Margot ont terminé 8e? Oui, parce que c'est Alors, une belle oui, performance. Parce que depuis 3 Olympiades, ça n'a fait que avancer. Donc, c'est le meilleur résultat depuis 3 Olympiades. Donc, Lila et Apolline avaient terminé 13e à Pékin. Sarah et Chloé, 10e à Londres. Et là, elles font 8e. Donc, forcément, ça avance. Alors que ce n'est pas le même duo. C'est-à-dire qu'on recommence très souvent tous les 4 ans avec une nouvelle paire. C'est difficile pour l'entraîneur. C'est difficile pour les nageuses parce qu'elles n'ont pas la même expérience. Et malgré tout, le niveau global a été meilleur au fur et à mesure. Donc, oui, c'est bien. On les a reperdues, malheureusement. Elles ont... puisque je le rappelle, on n'est pas professionnel, on ne gagne absolument pas notre vie. Donc ces filles-là font leurs études. Laura termine sa dernière année de kiné cette année. C'est extrêmement compliqué de faire les deux. Donc après, il y a des priorités personnelles qui arrivent. Donc oui, au bout d'un moment, elles sont obligées de faire un choix et de privilégier en partie leurs études. On va notamment, il y en a quand même une, hein, Margot, qui rentre dans l'encadrement. Est-ce que ça, Alors, cette expérience-là, c'est important c'est d'avoir l'expérience des... Bien sûr. C'est un des anciennes. Échange et, ce qui est votre cas d'ailleurs, hein, Virginie. Notamment pour elle et pour les jeunes, bien entendu. La relation de filles qui ont une sacrée expérience est toujours enrichissante. On se doit d'écouter ces filles-là. Et même nous, quand on sort de l'eau, ben on a encore une autre vision et on apprend encore. Donc on donne forcément différemment. Donc Margot, en fait, est en train de préparer le professorat de sport et le brevet, enfin le BF5, c'est DES, je crois que ça s'appelle maintenant. Donc elle est en formation en fait en tant qu'entraîneur ici. Elle ne fait pas partie du team
coach équipe de France, mais elle est en formation. Julie a profité qu'elle soit là pour la faire venir sur cette compétition et c'est un très bon échange, c'est très bien. Julie Fabre, hein, qui est toujours donc en charge hein, de ces compétitions, de ce haut niveau. Vous travaillez avec elle, comment ça se passe justement parce que... C'est elle qui me demande de venir là le lundi et mardi prochain. Donc en fait, pareil, donc, l'année dernière, elle m'avait fait intervenir. J'avais travaillé sur les solistes juniors et Estelle Anaïs, qui était la soliste senior. J'avais travaillé aussi beaucoup sur le duo de Rio, notamment sur la technique et la précision. Donc voilà, c'était pas de la chorégraphie, c'était une autre demande. Mmh. Julie me connaît bien aussi, donc elle sait ce dont je suis capable. Et bah, elle m'a renouvelé sa demande cette année. Donc après, avec elle, ça se définit par nombre de jours et elle me pose là où elle a besoin de moi, en gros. Donc j'essaye de me rendre disponible. Après, c'est pas évident parce que mon premier métier aujourd'hui, ma reconversion, c'est architecte intérieur et designer. Donc, ouais, on a tendance à l'oublier avec tout ce que vous faites déjà. Mais... De temps en temps dans l'année, j'ai envie de dire en plus, mais voilà, c'est ma deuxième casquette finalement. Effectivement, et ça c'est pas, et non des moindres. On va se retrouver dans quelques secondes maintenant, on me dit, avec les prochains duos qui vont venir nous rejoindre toujours sur cette compétition de duo libre et de duo mixte, hein, n'oublie pas, parce qu'il y en aura tout à l'heure. Ça sera pour justement définir les finalistes de demain et d'après-demain, c'est ça, hein, on va les retrouver ensuite demain à 14h et dimanche à 13h. Demain non, puisque c'est... Alors, demain c'est les techniques, pardon, donc, et la finale du libre, ça sera dimanche. C'est pareil, là, c'est pas comme aux Jeux Olympiques où on a le total des deux qui ouais, fait voilà. La médaille. Donc aujourd'hui au jeu, c'est la seule compétition où on a le programme technique et le programme libre, qui le cumul des deux qui donne le résultat final et la médaille. Depuis quelques années, depuis 2007 exactement, depuis le championnat du monde de 2007, c'est en effet deux médailles séparées. Donc toutes les autres compétitions se sont mises à ce niveau-là également. Donc au make-up, c'est intéressant parce que surtout au mois de mars, où nous n'avons pas encore tous les balais de près, certains sont finis de monter, pas d'autres, ça permet au pays de venir quand même en compétition sur certains balais et pas d'autres, se préserver sur ceux qui n'existent pas. Alors qu'avant, on était obligé de faire absolument les deux. Et c'était, bah, du coup, on ne sortait pas, on ne faisait pas de compétition, donc là, c'est bien. Et pour certains pays, notamment, de voir un petit peu les forces en présence, notamment Israël qui présente 3 équipes, l'Ouzbékistan qui en présente 2, et nous qui nous avons le plaisir de vous présenter 4 duos hein, aujourd'hui. Donc ça permet de voir un petit peu les forces en présence. Et c'est ce qu'on va continuer à faire maintenant avec l'équipe de Slovaquie qui va venir nous rejoindre d'ici quelques instants sur la plage de départ. Voilà, on ne devrait pas tarder à les voir. Voilà, Petra Durisova et Diana Miškešová, voilà, qui vont venir nous rejoindre. Avec un entraîneur masculin qui est quand même rare encore en natation synchronisée. Donc il y en a quelques-uns, on a un français qu'on connaît toutes, hein, je pense maintenant, Stéphane Mirmont, qui est aujourd'hui plus chorégraphe que entraîneur, qui a été entraîneur national des États-Unis pendant quelques années. Qui a été donc l'ancien partenaire de Anne Capron, qui était la soliste aux Jeux de Barcelone en 92. Et lui-même a été champion de France en duo avec elle, avant que le duo mixte ne soit défini comme discipline à part entière depuis 2015 seulement. Alors que voilà, chez nous, on en avait depuis très longtemps. La Slovaquie sur le thème du Cirque du Soleil, Dra Lyon. Très jolie musique. Je sais... Avec les années qui passent, que vous êtes sensible aux musiques du Cirque du Soleil, Virginie. Elles sont très intéressantes forcément parce que c'est des musiques de spectacle qui sont variées. Le principe de la synchro, quand on choisit des musiques, c'est la richesse, la variété pour pouvoir exploiter justement toutes les qualités d'une nageuse. Donc forcément, des musiques de spectacle, c'est très utilisé. Très belle avancée également, là elles sont déjà aux 25 mètres pratiquement. Le 25 mètres, vous pouvez apercevoir la ligne au fond dessinée, la ligne que vous voyez rouge au fond, c'est les 33 mètres. Donc c'est vrai que maintenant ça va rarement jusqu'aux 33 mètres, les déplacements. Mais le principe c'est vraiment d'aller au moins jusqu'aux 25 mètres. Très belle ligne de jambe ces deux filles. Portée.
chorégraphie, des synchros. Donc vous pouvez voir les appuis qui changent quand on est en continuité en figure, donc avec les deux jambes en l'air et qu'on les laisse constamment. On a les bras vers la taille, ça s'appelle le coupe-coupe. Et là, vous avez pu voir sur la vrille, on monte les bras en l'air et c'est ce qui nous permet de tourner et de donner de la vitesse. Donc tous ces changements d'appui demandent une très importante tenue du corps, donc beaucoup de gainage d'abdominaux pour justement être solide au niveau de la verticalité et ne pas pencher lorsque nous avons des changements d'appui avec nos bras sous l'eau. Donc on parle d'appui comme en natation, hein, quand ils font du crawl, de la brasse, ils ont des appuis dans l'eau, on a des appuis également, on s'appuie sur l'eau, le principe c'est d'avoir le plus possible de pression avec cette masse d'eau pour pouvoir sortir le plus haut possible. Ouais, petit souci de synchro et également de hauteur sur cette figure-là, elle fatigue un peu. Alors que la musique, elle, ne descend pas, justement. Mais il est bien passé quand même ce duo. Hein. Il est passé assez vite. Les Slovaques. C'est intéressant. Eh oui, Petra Durisova et Diana Miškešová. Effectivement, oui, c'est passé assez vite. Avec ces deux jeunes filles sur la musique, comme on le disait, de Dralion, Cirque du Soleil. Alors après, je vois pas le chrono. Je sais pas quel est le temps exact du duo. Mais des fois, entre les duos, il peut y avoir 30 secondes quand même de différence, ce qui est pas négligeable. Alors là, il était annoncé 3 minutes. Oui, c'est la moyenne. Donc ça peut être en effet 2,45 jusqu'à 3,15. Enfin, voilà, si on fait au plus court ou au plus long. Bon, généralement, c'est plutôt au plus long parce qu'on trouve ça déjà, comme ça a été coupé et raccourci au fur et à mesure des années, on est plutôt plus proche du 3,15 que du 2,45. Oui. Voilà, 17 et 18 ans, ces deux jeunes filles voilà, qui se présentent pour la Slovaquie. Voilà, et dont on va avoir les infos. Les notes dans quelques instants. Il a du mal à sortir du bassin. Ça a chargé. Au niveau des lactates. Maillot intéressant qui est très lumineux. Ils sont venus en force, hein, les Slovaques en équipe. C'est assez rare quand même. Et la note qui va tomber, ça va être un 75 tout rond, avec une exécution à 22.1, 30.4 pour l'artistique et 22.5 pour la difficulté. Donc devant les Uzbeks, hein, c'est bien parce que les Uzbeks sont souvent pas mal, et devant les Israéliennes. Les Autrichiennes qui commencent à être pas mal connues et reconnues. Les sœurs Alexandrie. Synchro, tout à fait. Donc des jumelles qui sont en fait. Des quadruplées, parce qu'il y a un garçon, c'est ça. C'est ça, donc elles sont trois nageuses synchro. Une qui fait le solo. Sœurs qui leur ressemble beaucoup moins fait le solo. Et ils ont choisi les deux qui se ressemblaient le plus pour faire le duo. Elles sont médaillées. Ah, c'est junior. Comme ça qu'on choisit les nageuses de synchro. Plus elles se ressemblent, plus elles nagent ensemble, d'accord. Oui, des fois. Très bien. C'est un des critères. Elles sont ces deux filles qui sont médaillées européennes juniors. Elles ont participé aux Jeux Olympiques cet été, donc elles étaient très jeunes. Elles faisaient partie vraiment des paires jeunes. Et oui, elles ont de très bonnes qualités de hauteur, de légèreté et de technique. Un joli premier porté. Vous voyez presque la tête qui sort de l'eau. Vous pouvez voir la proximité là. Bien, très intéressant cette figure qui a fini par l'emporter. Donc elles n'ont toujours pas respiré et elles suivent avec un effort supplémentaire en faisant le porté. C'est pas évident. C'est bien, c'est précis ça. Le travail d'isolation. Qui sont extrêmement souples également, ce qui n'est pas non plus le cas de tout le monde. Ils sont limite comme les GRS, les GR, gymnastique rythmique.
tout petit peu sur place là sur ses bras. Elle vient de s'engouffrer un peu dans l'angle. Il faudrait qu'elle sorte de là. Une autre figure à deux. Bien. Voilà, on voit les juges au premier rang hein, pour voir les deux jeunes filles venues d'Autriche. Elle est intéressante cette figure parce qu'elle a un contre-courant. Elles font une vrille dans un sens, un retour, un aller-retour. Techniquement, ça peut être, c'est plus difficile parce que justement, il y a des changements d'appui. Et c'était original également. On peut voir leur souplesse. Un peu pareil, une faute de parcours, elles restent sur la partie droite du bassin. Elles sont au milieu du bassin et elles sont venues se coller au jury. Il y a des chances pour qu'elles décalent leur balai pour les finales. Pardon. Ouais, parce que là, elles repartent encore vers le même jury, donc elles ont un manque de visibilité là-bas au fond. C'est bien ça techniquement également. Les sœurs Alexandrie. Trois longueurs et demie. Bien présentes. Hein. Oui, la fin un petit peu moins au niveau que le début, qui était vraiment pas mal et fort. Mais bon, voilà, elles n'ont pas fait de faute. Voilà, c'était très très bien exécuté. Ouais, on le rappelle, hein, c'est quand même 3 minutes d'une intensité particulière. Et il faut effectivement pouvoir tenir sur l'ensemble de cette épreuve des duos libres que on vous fait vivre en direct sur la chaîne YouTube de la FINA dans le cadre des World Series, désormais vous le savez, le Make Up Forever. Dans quelques instants, l'équipe de Singapour qui sera à l'honneur, et dans quelques juste avant, les notes des Autrichiennes, les sœurs Alexandrie, Erini et Anna Maria. Voilà, on attend les notes. Et elle devrait finir pas loin des toutes premières places. Voilà, on va découvrir leur note. Une note de 85.4333 avec une exécution à 25.5, 34.5, 5333 pour l'artistique et 25.4 en difficulté. Ce qui leur permet de se hisser à la troisième place désormais, juste derrière les Chinoises et les Japonaises. Donc devant le premier duo chinois, ouais. C'était vraiment pas mal aussi. Et les Américains ensuite, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, qui sont derrière les Américaines. Qui sont juste devant, pardon. Qui sont juste devant les Françaises. Et l'équipe de Singapour qui arrive, Debbie So et Mia Young. Singapour régulièrement aussi ici, et, enfin présente dans le milieu de la synchro et notamment du Make Up Forever. Alors, c'est dommage, on ne voit pas sous l'eau parce que là il y avait une technique donc différente des portées. On peut porter par les pieds, donc c'est ce qu'elles viennent d'exécuter, c'est-à-dire que la fille d'en dessous qui porte se met en groupé et pousse avec ses jambes. Avec les pieds au niveau des épaules de la fille qui est éjectée. Et on peut également le faire en portée avec les mains. Donc on utilise le rétropédalage pour pouvoir pousser la fille au-dessus de l'eau. Donc il y a deux techniques. Après, ça dépend de son feeling avec la voltigeuse également.
Aujourd'hui, j'arrive pas trop à définir laquelle des deux méthodes est la meilleure. Je pense que ça dépend vraiment des qualités d'explosivité de chacune. Et de nouveau, Prodigy à l'honneur. Évidemment, on aime l'électro dans la synchro. On a une chance quand même par rapport à d'autres sports artistiques comme la gymnastique ou le patinage. Nous n'avons pas de contraintes sur les choix musicaux. On peut vraiment prendre ce qu'on veut. Donc après, il faut que ce soit intéressant, à mon sens, pour pouvoir faire une chorégraphie riche. Mais en tout cas, on n'a pas de restrictions, comme par exemple en patinage, où je crois que ça vient de changer, mais ils n'avaient pas le droit aux paroles. En tout cas, en gymnastique, c'est encore le cas. Donc ça limite quand même pas mal de choix musicaux. Ou en tout cas, quand on aime une musique, bah, il faut qu'on la trouve en version sans paroles ou sans chant. Voilà, c'est délicat. Bon, on sent tout de suite la différence aussi avec les Autrichiennes au niveau de l'exécution et de la légèreté de cette paire de duos. Ils n'ont pas du tout le même physique non plus. Ils pourraient avoir un avantage sur les parties techniques de vrille, puisque quand on a un physique comme les leurs, on peut être plus solide et donc beaucoup plus droite sur des lignes en vrille, contrairement justement aux Autrichiennes qui sont fragiles et qui peuvent bouger beaucoup quand elles font des vrilles. Il y a eu deux beaux penchés à l'opposé. Oui, une belle présence là. Hein. Alors, à part quelques petites fautes, elles sont quand même pas mal synchro. Allez, on relance sur la dernière partie. C'était surtout sur la dernière figure, pardon. Elles ont relancé un petit peu tard. Petite relance à la fin. C'est important hein, aussi cet équilibre dans les morceaux, parce que là, effectivement, cette relance, elle est un peu tardive quand même. Hein, donc, du coup, on est un peu au dépourvu. Je sais pas si ça compte pour les juges, si ça les perturbe ou pas. Mais... parce que là, en effet, quand on arrive encore une fois à la 19e participante, paire, et qu'on en a vu des bien, des plus ou moins, des pas très bien, il faut quand même faire vivre ce duo-là. Et quand on peut avoir un décroché, alors c'est leur job aussi de ne pas décrocher, d'être attentif tout le temps, mais malgré tout, la musique peut aider ou défavoriser cette attention. Elles ont un bon maillot en tout cas, bien coloré. Donc je voudrais préciser et remercier quand même beaucoup les mamans qui depuis, dans beaucoup beaucoup de clubs sont bénévoles et cousent et fabriquent les maillots, les paillettes. Alors, ouais. Parce que c'est vraiment un travail d'artisan, hein, tout à fait. Alors, au sens noble du terme. Il y a des professionnels comme l'équipe de France fait... embauche une dame qui est à l'atelier Coquelicot et qui fait les très beaux maillots des filles de l'équipe de France. Mais pendant des années, en effet, c'était des petites mains qui travaillaient. Et dans les clubs, c'est encore le cas. Donc, je voudrais profiter pour les remercier. Le message est passé. On va accueillir après les Singapouriennes qui se classent donc 15e pour le moment hein, avec une note de 74.0333. On va accueillir l'équipe d'Argentine. Juliana Daniil et Brunella Neri. Un nouveau duo également, puisque depuis plusieurs années, c'était des jumelles qui étaient aussi en Argentine, qui étaient encore à Rio et qui ont arrêté, qui avaient fait même Londres, et qui ont arrêté après là. Donc c'est le même entraîneur qui est là. Elle prépare la relève. Musique de Van Helsing.
Des jolis effets là sur un porté 2 à 2. Ce qui a permis, voilà, avec cet effet, de dégager de la plage de départ et vraiment de bouger. Et de faire finalement la première figure au bout du bassin. Bon, je pense que là vous avez compris également à quelle échelle on est sur ce duo-là. Manque de hauteur, manque de précision. La synchro est pas mal et l'énergie aussi. Ça reste aussi un petit peu sur place là, il faudrait bouger. Alors c'était une figure à deux, mais ça aurait pu quand même un peu avancer. Forcément quand on est accroché c'est plus compliqué de bouger. Il y a beaucoup d'inspiration sur ce duo là, avec notamment le contact de peur comme les Espagnols et là le totem comme les Ukrainiennes. Mais c'est normal hein, quand on prépare des nouvelles duettistes, on peut s'inspirer, hein, c'est le jeu. Et on peut être d'autant plus fier quand on a des choses intéressantes qui sont reprises. Problème de synchro et de direction, attention. Raison de l'énergie cependant. Alors, vous voyez donc sous l'eau le principe c'est que le corps. Il faudrait que le corps ne bouge le moins possible alors que les jambes, elles, puissent faire ce qu'elles veulent et bouger dans tous les sens. Donc plus on est solide au niveau du corps en dessous, plus on est technique et précise en haut. Le premier duo argentin de cette journée, oui, ça, c'est le premier puisqu'il y en aura un deuxième dans quelques minutes. Camilla Arregui et Trinidad Lopez Braseco. Mais pour l'instant, on se concentre sur Juliana Danil et Brunella Neri. Un petit mot sur l'autre duo, non Virginie, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais parler de l'âge, donc c'est le plus âgé des deux par rapport à celui qui vient par la suite. Effectivement, on aura des jeunes filles, oui, notamment une qui a à peine 16 ans. Lopez Braseco. Et on va découvrir les notes pour ce premier duo argentin de l'après-midi. Toujours sur les épreuves de duo libre. La finale dimanche, bien sûr, je vous le rappelle, hein, à partir de 13h. Donc la finale se fait à 12 nageuses, donc c'est les 12 premières qui sont retenues. Et le tirage au sort est fait en fonction... du classement également, il y a deux groupes de 6. Le moins bon passe au début et le deuxième, le meilleur passe à la fin. Il y a un tirage au sort dans les 6 meilleurs et dans les 6 moins bonnes. Eh bien, ça ne sera pas le cas de ce duo argentin puisqu'il va se classer 19e au classement provisoire avec une note de 71.4333. Alors qu'arrivent les Biélorusses, Irina Limanouchkaya et Veronika Yesipovitch qui vont être sur la plage de départ dans quelques instants pour cet Open Make Up Forever dans les duos libres. On nous demande souvent pourquoi on a ce départ de marche un peu militaire. Alors j'ai envie de vous dire que ça a été un peu la culture, c'est un peu comme ça que ça se passe, mais c'est aussi plus facile d'être synchronisé et c'est toujours mieux d'arriver ensemble que n'importe quoi.
n'importe comment. Cela et de dit, faire n'importe quoi. Voilà. certains duos arrivent à changer un petit peu cette façon de faire et je pense que c'est vraiment intéressant si on arrive à le changer. Maintenant, c'est pas quelque chose qu'on travaille énormément parce qu'il y a tellement de choses à travailler dans l'eau que c'est fait un peu à la dernière minute et c'est un peu le moyen le plus facile d'être ensemble. Pas de prise en compte en plus de la part des juges. Non, c'est une impression. Une impression un peu générale, quoi. Voilà, donc c'est, si on arrive en faisant vraiment la tête, parce que là, elles peuvent ne pas sourire, mais ça fait partie du thème et de l'intention du programme. Si on arrive en traînant les pieds et toute molle, oui, forcément, on montre qu'on n'a pas très envie. Et là, le fait d'arriver ensemble et en marchant un peu active, ça dit ouais. Bon, tout de suite, ça donne une dynamique. Voilà. Dynamique, elles le sont pour le moment, hein. En tout cas dans l'eau. Votre impression, Virginie? Je vous laisse nous en parler, ouais, puisque ouais. Là. Une belle avancée également. Elles vont bientôt entamer leur deuxième longueur également. Déjà, pardon. Mais elles sont précises. Des nageuses qui sont bien précises. Biélorusse, un peu l'école russe également. Travaille en oblique, qui n'arrête pas de tourner. C'est compliqué d'être bien synchro, faut bien caler les axes. Elles ont, sur cette figure, vraiment, elles n'ont pas arrêté de tourner. C'est intéressant, c'était bien exécuté. Bien, le poussé barracuda. Artistique à deux. Donc, faut faire attention aux effets artistiques, faut pas trop qu'il y en ait, c'est intéressant, mais il faut pas trop non plus en mettre parce que pour moi c'est quand même une faiblesse. Ça montre qu'on travaille plus la synchronisation. C'est forcément plus facile de faire des figures à deux que d'être synchronisé. Ça peut être intéressant dans la chorégraphie, dans l'impression artistique, mais voilà, ne pas trop en abuser. Précises dans leur rythme. Elles sont pas très explosives et tout ça, mais elles sont régulières dans ce qu'elles font. Bien synchro aussi. C'était pas mal ce qu'elles ont proposé. Un petit peu loin là. Elle a du mal à se rapprocher pour marquer la position finale. Je pense qu'elles devaient être juste derrière elles. Elles étaient un peu écartées. Les Biélorusses donc, qui en terminent ici, Irina Limanouchkaya et Veronika Yesipovic. Alors si je ne me trompe pas, hein, c'est le seul duo biélorusse. Hein. Oui, effectivement, les Biélorusses qui sont pas venus en nombre pour ces duos. Alors que les Ouzbeks auront donc deux duos, parlant des pays satellites de la Russie, hein, qui est toujours à l'origine, bien sûr, de cette grande école de la natation synchronisée. D'ailleurs, nous l'évoquions avec Sylvie Neuville tout à l'heure, hein, avec ces épreuves qui ont eu lieu en Russie, hein, des jeunes filles qui sont très dynamiques, très nombreuses et très volontaires. C'est ça, elles ont vraiment retenu là, cette année, encore plus que les autres années. Il y a un énorme vivier en Russie, donc elles étaient 400. Six françaises participantes étaient les seules étrangères. Donc voilà, la première française a terminé dans les centièmes, c'est assez impressionnant. Ouais. Donc oui, il y a de la matière et il y a de la masse et de qualité. Ouais. Septième, c'est la place que prend le duo biélorusse avec la note de 81.3. Ouais. Eh ouais, belle performance pour les Biélorusses, 24.4, 32 en artistique et 24.9 en difficulté. Pour l'instant, donc 7e et tout de suite, après les Biélorusses, ce sont les Allemandes qui arrivent avec Marlène Bogère et Daniela Reinhardt. Des filles assez expérimentées.
On commence à voir depuis quelques années. Nous ferait-elle un duo japonais? Effectivement. Les fleurs de cerisier. Voilà, là c'est la méthode portée par les mains. On n'a pas vu sous l'eau, mais voilà, elle a porté avec ses mains au niveau des épaules. Donc elle a poussé en rétro-pédalage. Dommage la petite faute de désynchro à la sortie. Pareil, ce sont des filles qui ont des jolies lignes de jambes. Ce n'est pas négligeable pour la finition et la précision. Joli effet artistique qui manquait de synchro. Se rapprocher et relancer un petit peu la cadence après la phase artistique. Ouais, les Allemandes qui perdent un petit peu le rythme qu'elles avaient au tout début, même si la musique elle a relancé. Je les trouve un peu lentes sur cette musique-là. Ouais, les obliques qui manquent un petit peu de précision, même si c'était ensemble toutes les deux, l'énergie n'est pas trop là. C'est Barak qui finit pas tout à fait pareil entre les deux. Jeu de jambes, battement oblique pour la dernière figure. Il se termine pas mal, mais ouais, ça manque vraiment de vélocité et de précision sur pas mal de mouvements. Bon, encore à travailler ces Allemandes, si j'ai bien compris le sens de vos propos, Virginie. Bien, mais peut mieux faire, comme on dirait à la fin du deuxième trimestre. Mais on sent bien là que la condition physique n'est pas encore au maximum. Adéquate par rapport à ce programme-là, et même si on n'est pas prête, bah c'est quand même très bien de sortir à des compétitions telles que le make-up pour pouvoir engranger de l'expérience et aller plus vite. Préparer une compétition, c'est pas pareil que d'aller s'entraîner. Le soleil est de retour dans le stade nautique Maurice Thorez ici à Montreuil pour l'Open Make-up Forever. Vous devez le voir sur ces images, effectivement. Marlène Bogère et Daniela Reinhardt qui en terminent avec ce programme, qui vont venir rejoindre la plage d'arrivée pour recueillir leurs notes du jury et qui les positionne pour l'instant, si je ne me trompe pas, au classement provisoire sur pour la finale à la 12e et dernière place de qualification. Mais il reste encore. C'est vrai que mon travail est là pour justement faire pour ménager le suspense. Voilà, donc pour l'instant 12e place provisoire avec 76 points, 46-67. Mais effectivement, il reste encore du monde, notamment deux duos français qu'on va découvrir dans quelques instants. Un duo chinois qui arrive. Exactement. Et oui, avec les Jiang, Wenwen et Tingting.
des jumelles que vous connaissez certainement, en tout cas dans le monde de la synchro, qui sont de retour en effet ici à cette compétition-là. Alors plusieurs raisons de leur retour. Donc pour info, c'était les duétistes de Londres et avant Londres, donc les Jeux Olympiques de 2012, où elles terminent troisième derrière les Espagnols. En fait, elles ont arrêté donc l'année dernière, puisque c'était l'autre duo qui avait été sélectionné au fur et à mesure des années. Elles ont eu un bébé chacune, elles se sont mariées, elles ont eu un bébé et elles reviennent essentiellement parce qu'il y a les Asia Games cet été, qu'elles préparent ça et que les derniers qu'elles ont fait, elles ont terminé troisième. Ça a été vraiment un scandale pour elles. Donc apparemment, j'ai entendu dire qu'elles venaient vraiment pour prendre leur revanche. Eh bien, on va voir si d'ores et déjà, elles sont prêtes à relever le défi. Elles ont repris une chorégraphie qu'elles avaient déjà, qui était sur le thème de l'oiseau et qui a été créée par justement Stéphane Mirmont. Donc avec le lac des cygnes en début, l'oiseau de feu. Et le sacre du printemps. Voilà, des belles difficultés sur leur deuxième figure. Petit mouvement très précis, très belle hauteur, bien entendu, avec des précisions, elles ont un nage très propre. Très très beau là, une superbe hauteur, très belle exécution de vrille sur leur verticale. Elles n'ont pas perdu grand chose. Voilà, une figure à deux vraiment qui a marqué aussi dans les esprits, originales, créées par elles. Très intéressante et compliquée parce que toujours de dos à dos, il faut arriver à pas se lâcher alors que ça bouge, c'est pas évident à exécuter. Vous avez pu voir la tête là de la nageuse, premier porté où on sort la tête. On finit avec le lac des cygnes. Un petit peu moins intéressante à mon goût, un peu basse. Là vous avez pu voir un arrêt de verticale où elles sont bien plantées, très hautes, donc deux jambes en l'air donc. Poussée. Bon ben voilà, c'est un très bon retour qu'elles exécutent. Elles sont là et bien là, effectivement, nos chinoises Wen Wen et Ting Ting Jiang, qui ont donc, comme vous l'avez dit, décidé de tout faire à l'identique. Hein, les bébés, la compétition, tout, le retour en même temps. Et c'est plutôt réussi, hein, cette prestation. Donc on ne sait pas, justement, pour l'instant, la question c'est de savoir est-ce qu'elles ont envie de se présenter pour le duo national pour les championnats du monde. A priori, c'était pas leur intention d'origine, puisque les Asia Games sont au mois de mai, donc elles pourraient éventuellement aussi arrêter après cette compétition-là. Mais voilà, ça reste suivre. En suspens, à suivre, en effet. On va découvrir leurs notes qui ne devraient pas être mauvaises du tout, d'après ce que l'on voit arriver sur nos ordi. On va vous dire ça dans quelques instants. On va attendre la confirmation de la part des juges. Mais ça devrait être pas mal. Ça devrait être même très très bien. Oula, oui, ça augmente encore. Hein. Ça va se valider dans quelques instants.
vous pouvez voir à gauche de votre écran, Ana Tares, l'ancien entraîneur espagnol qui était en Ukraine l'année dernière et qui apparemment est venu aider ce duo cette année. Et qui les a bien aidés, puisque regardez la note pour ces deux jeunes filles. C'est une note de 92,6 qui les place en première position de ces épreuves de duo libre, avec une exécution à 27,7, une impression à 37,2, une difficulté à 27,7. Est-ce que c'est très bien payé ou est-ce que c'est légitime, selon vous ? C'est ce que je disais sur le premier duo chinois, où moi je trouvais qu'il manquait de technique. Ça se montre. Je trouve que leur première longueur est plus technique, en effet. On sent l'émotion quand même. On sent que c'est un retour qui est payant. Vous voyez la jouée là. À gauche de votre écran, en haut à gauche, avec Margot, qui était le duo... à Rio, parce que on va voir des Françaises. Et oui, les Françaises qui arrivent maintenant. Alors après ce renversement de situation, puisque les sœurs Jiang ont donc pris la tête du classement, et ce sont les Françaises maintenant, Estelle, Anaïs, Hubo et Solène Lusseau, qui se présentent. Alors c'est Marie Hannequin là qui n'a. Pardon, Marie Hannequin, excusez-moi. Voilà, et les deux qui vont donc présenter un programme que l'on connaît, Africa Drums. Puisqu'on rappelle que c'est le programme du duo de Margot et Laura, mais c'est pas la même musique. Elles ont changé de musique au début. Ah oui, c'est le début de leur duo africain. Et là, elles reprennent la musique initiale. Allez. Avec une belle grosse figure de deux jambes en l'air. Difficulté d'oblique, c'est bien l'énergie. Elles vont bien ensemble toutes les deux, c'est la première fois donc on les voit ensemble. Effectivement, c'est quand même la première fois en compétition et... Et c'est la première fois qu'elles nagent elles ensemble. Ensemble, hein, voilà. Et donc du coup c'est quand même une belle démonstration qu'elles nous offrent. Marie qui est du club de Lyon et Solène de Nantes. C'est bien jusque là, il faut bien nager serré les filles. Là aussi elles ont changé la musique. Il y a eu pas mal d'aménagements de fait. C'est bien ça. Belle synchro. Allez, faut pas quitter l'énergie. Allez, il faut se battre. Là, c'est le début d'une Olympiade, donc c'est très important pour toutes ces nageuses. Ouais, c'est bien. Allez, il faut se rapprocher. Elle nage un peu trop loin, les filles. Ouh, petite faute de tête. Très bien. Allez, dernière figure qui est assez complexe à préciser. Oui, bien exécuté. Super les filles. C'est une belle première sortie aussi, très bien, bravo. Ouais, la fin d'un programme qui, effectivement, s'est bien déroulé. On a noté quelques petites imperfections, évidemment, Virginie, mais néanmoins, pour une première sortie ensemble, c'est plutôt une belle sortie. Carrément, bien entendu. Donc, vous aviez parlé d'Estelle Anaïs Hubo, donc qui est la remplaçante sur ce duo-là, et sur le technique, c'est Estelle qui nage avec Solène, en fait. Donc, elle tourne, je pense. Voilà, sous l'œil, évidemment, forcément... attentif mais critique du duo
des Jeux Olympiques de 2016, Laura et Margot qui sont à côté de Julie Fabre, là juste à côté de la zone d'arrivée, on les retrouvera certainement tout à l'heure. Elles vont accueillir les deux jeunes filles qui en terminent pour la France, donc Marie Henquin et Estelle Anaïs Hubeau. Non, c'est Solène. Solène Lutzeau, pardon. Marie Henquin et Estelle Anaïs Hubeau, qui donc vient compléter en remplaçante. Voilà, on y arrivera. Je vais y arriver. Alors, on peut voir qu'elles ont une grosse différence de taille au sol, mais vraiment dans l'eau, en figure, ça se voyait pas du tout. Je les ai trouvées vraiment bien au niveau des jambes. Dis donc, c'est un super résultat. Et une très belle note de 85 points, 4667, ce qui les place quatrième sur le classement provisoire. Belle performance, effectivement, avec une exécution à 25.4, 34.2667 en artistique et 25.8 en difficulté. Oui, ça vous satisfait, Virginie? Oui, elles font mature et vraiment elles m'ont surpris sur leur synchro parce que voilà, elles n'ont pas du tout l'habitude de nager ensemble et c'était vraiment bien exécuté, c'est super. Voilà, elles sont accueillies comme il se doit par Julie et le reste de l'équipe de France. À suivre après cette prestation française, la deuxième équipe venue d'Argentine, c'est Camila Arregui et Trinidad López Braseco. Elles battent les Américaines. Hein. Les Françaises, oui, tout à fait. Ce qui n'est pas négligeable, c'est important. Effectivement, on verra effectivement ce que ça va donner sur les finales, mais en tout cas, ça, c'est bien parti, effectivement, pour cette première sortie ensemble. Vous avez pu voir, hein, y a beaucoup de duos qui commencent avec une partie artistique à deux. Permet de lancer un petit peu différemment et de bien avancer également. C'était joli ça, c'était bien exécuté. On change de rythme. Hein. Encore une fois, encore un autre niveau. Donc le deuxième duo argentin. Avec une fille toute jeune qui a 17 ans. Elle se positionne un petit peu bizarrement dans le bassin, l'une à côté de l'autre dans la largeur, ça fait un petit peu bizarre. Une chorégraphie qui est sur un rythme régulier, il n'y a pas trop de changements justement, c'est ce qui donne un peu l'ennui, je suis désolée de dire ça. Mais voilà, c'est ce qui fait le choix de la musique aussi, et que le choix de la musique est important, dans la variété, dans la richesse, l'utilisation de différents rythmes. Oui, ce qui permet de relancer en permanence le rythme et qui permet de relancer la prestation. L'attention. Et l'attention justement des juges et du public aussi. Mais surtout des juges, évidemment, c'est important. Petite faute de synchro en plus. Voilà, et fin de la prestation
de la deuxième équipe d'Argentine, donc Camila Arregui et Trinidad López Braseco, qui n'a pas enthousiasmé Virginie totalement. Voilà. C'est bien, mais peut mieux faire. C'est bien, mais pas top. Non, c'est bien, mais effectivement, non, on le disait, hein, c'est le choix de la musique. C'était correct entre elles. Bon, voilà, y a eu des petites fautes de synchro, mais ce tempo qui reste vraiment régulier a un peu cassé le rythme, l'ambiance de ce, et du coup la qualité, parce qu'on la repère certainement un peu moins. Et on va voir si les juges effectivement sont de votre avis, Virginie, c'est important. Et on va découvrir les notes, effectivement, qui reflètent un peu ce que vous disiez, Virginie, puisque avec une exécution à 22.1, un artistique à 30 points, 6667, et une difficulté à 22, ce qui nous fait un global à 74 points, 7667, et une 16e place provisoire, ce qui ne leur permettra pas de rentrer en finale. Alors, contrairement à l'autre équipe d'Argentine, on va vérifier. Et l'Ouzbékistan qui présente sa deuxième équipe ici même avec Anastasia Morozova et Anna Eltsicheva. Alors des jeunes, très très jeunes filles puisqu'elles ont à peine 16 ans. Mmh, toutes les deux de 2000. Voilà. Petite info, les deux équipes d'Argentine ne seront pas en finale. Une plage enjouée qui met bien l'intention du duo en marche. Donc un très joli premier porté, doublé. Et en fait, il y en a eu deux en un. C'est quoi le cirque? Dommage la synchro parce qu'elles étaient toutes les deux très hautes, mais pas en même temps. Pas mal la transition, on a cru qu'elle sortait, mais non. Deux bras en l'air juste devant le jury, très expressive également. Avec un petit travail de pied flex qui n'était pas évident à contrôler. Encore une fois, vous pouvez bien voir les appuis sous l'eau. Travail d'apnée qui peut être fait également. Voilà, un effet à deux qui pour moi n'a pas apporté grand chose, mais qui pour elles peut-être leur permettre de faire une petite pause. Donc ça peut être également stratégique. Dommage, les poussées Barracuda, elles n'arrivent pas à être ensemble. Bon déplacement, cela dit. Thématique avec les pieds flex, très utilisés, grille ascendante, donc une grosse difficulté technique en synchro. Bien sur le rythme pour cette figure-là,
un petit peu trop d'eau. Vous avez d'ailleurs du mal à le voir certainement sur les écrans, tellement il y a de l'eau avec le contre-jour, ça aide pas. Et voilà, ça manquait un peu de clarté, de précision et de hauteur. Les deux Ouzbeks qui en terminent maintenant, voilà deux jeunes filles, hein, à peine 16 ans, Anna Eltsicheva et Anastasia Morozova. Voilà, deux jeunes filles en devenir. Juste après, à suivre, hein, le dernier duo français, Maureen Jenkins et Eve Planex. Elles aussi, hein, à peine 16 ans. Même âge. Voilà, et effectivement, on a hâte de les voir parce qu'on nous a dit que c'était effectivement l'avenir, voilà, l'avenir de la synchro française. On va voir ça dans quelques instants et après, il y aura encore les Ukrainiens. Et ensuite, les duos mixtes. Alors, la note pour les Ouzbeks, on va attendre la confirmation de la note, ouais, qui ne sera pas suffisante pour entrer en finale, je crains. Avec une exécution à 21.9, une artistique à 28.9 333. Je pensais qu'elle serait devant les Argentines. Ouais. Eh bien non, ce ne sera pas le cas. Et pour la difficulté, 21.8, ce qui déplace en 23e position. Et voici le dernier duo français, vous l'avez compris, qui est accueilli par le public de Montreuil. On vient de vous les citer, Maureen Jenkins et Eve Planex. Une nouvelle paire, Maureen qui s'entraîne à l'INSEP depuis l'année dernière, Eve qui les a rejoints cette année parce qu'elle était encore un peu jeune. Maureen qui est issue du club de Strasbourg et Eve qui a été plutôt formée au club de Sète avec Rachel Lebozek et qui est partie cette année à Strasbourg également. Elles ont repris la chorégraphie du lac des Cygnes qui avait été nagée par Sarah Labrousse et Chloé Willem pour les Jeux de Londres. Tout à fait, en 2012. Et c'est Pascal Meillet qui les entraîne. Très jolie pose de départ qui n'était pas la même. Ni le même maillot d'ailleurs. Sur le lac des Cygnes, avec des musiques revisité. Un peu originales. Ouais. C'est une musique de hip-hop d'ailleurs, très intéressante. C'est deux filles qui ont vraiment les qualités des Russes, très légères, très hautes. Elles vont très bien ensemble. Pascal m'a dit tout à l'heure qu'elle avait vraiment retravaillé sur le côté artistique encore plus que ce qu'il n'était. Bien. Ah, toute petite faute, dommage, c'est bien sinon. Allez, elles vont vraiment très bien ensemble, toutes les deux. Ah, il faut un petit peu bouger là aussi, ça a manqué de lien. Là, on retrouve l'air. Voilà. C'est bien les livrées. On a la base. Saute aussi en rétro, c'est bien, on les voit bien. Bien présente, elles font jeune hein, par rapport à Marie et Solène, bien entendu. Ouais, elles sont vraiment agiles, les jambes. C'est bien. Ouah, dommage les directions là. Elles sont un petit peu rentrées dedans. Allez, faut relancer. Là dans la technique, j'espère que ça va aller. Un petit peu dur sur les hauteurs, Maureen. Allez, allez, on tient. C'est un peu dur techniquement là. Eve a été blessée pendant un petit moment également, donc elles ont loupé une période de travail importante. C'est bien là, sur cette dernière figure, la hauteur. Il faut se tenir. Vraiment très belle hauteur jusqu'au bout, ça c'est vraiment bien.
Ouais, beau final. Ouais, c'était bien. Donc en effet, hein, c'est les plus jeunes. Il y avait les minimes, pardon. Mais dans le groupe de 3 qui est en concurrence aujourd'hui. Et en effet, elles ont vraiment de sacrées qualités qu'elles peuvent développer. C'était un très beau duo. Ouais, on le voit hein, depuis le début qu'il faut tenir jusqu'au bout. Et c'est parfois ce qui pêche un peu dans certains duos. Et là, il y a un joli final. Physique. Voilà, un joli final avec Maureen Jenkins et Eve Planex qui seront donc les dernières Françaises à passer devant vous aujourd'hui pour ces duos libres. On va découvrir leurs notes dans quelques instants. Et puis juste après, il y aura l'Ukraine qui viendra à nouveau nous rendre visite avec un duo. Et puis ensuite, ce seront les duos mixtes. Voilà, on entend le public chaleureux qui encourage et félicite les deux Françaises. Et on va découvrir la note dans quelques instants. Un joli nouveau maillot. Ils n'ont pas repris celui des Jeux. Et pas mauvaise note, hein, puisqu'on arrive à un total, vous allez le voir dans quelques instants, avec une note d'exécution de 24.9. L'artistique en 33.0667 et la difficulté en 24.5. Un global de 82.4667. Moins d'un point derrière les jumelles. Donc pour leur première collaboration aussi, c'est vraiment pas mal. Alors, si les quatre derniers leur passent devant, elles resteront à la porte de la finale. Mais on va voir ça. Bah, il reste des belles pointures quand même. Ouais. Là, les deux prochains duos sont vraiment très forts, donc ça risque d'être compliqué. Oui, on va retrouver celle qui, ce matin, s'est imposée en solo technique. Anna Voloshina avec Yelizaveta Yakhno pour l'Ukraine. Donc une nouvelle duettiste. Hein. Anna était bien entendu dans l'équipe qui est partie aux Jeux Olympiques. Donc pour la première fois, l'équipe d'Ukraine a participé aux Jeux Olympiques en ballet d'équipe. En duo, elles y étaient habituellement. Donc Anna faisait partie du duo. Elle est médaillée mondiale en duo. Elle est médaillée mondiale en ballet d'équipe maintenant. Elle est troisième européenne et sa duettiste Lolita apparemment a arrêté. Donc elle a une nouvelle partenaire de duo. Mais voilà. Elle est toujours présente. Avec une arrivée beaucoup moins militaire que d'habitude. Et pourquoi elle parle? Je pense qu'elle doit compter parce que la musique est incontable. En tout cas, oui. Premier porté, vous pouvez voir donc la technique de porter par les mains. Donc c'est un duo qui est quatrième mondial aux derniers Jeux Olympiques. Même s'il y a eu un changement de partenaire, ça peut être assez fort. Tout petit décalage de synchro, mais vraiment pas mal sur la première figure. Qui assure, hein, parce qu'elles vont très très bien ensemble également. Et si je dis pas de bêtises, c'est bien la même chorégraphie que cet été. Donc voilà, c'est souvent le cas hein, quand on change de partenaire, pas forcément de duo entier, mais juste de partenaire, on reprend la chorégraphie pour vraiment travailler et se mettre à niveau de deux filles qui ont travaillé pendant 4 ans avant. Très belle poussée grand écart, très bien synchro. Ouais, c'est jamais évident hein, de reprendre. C'est la pas suite. Toujours facile. Ça, c'est une très jolie figure qui n'est pas évidente à synchroniser. Parce que des mouvements un peu tordus. C'était bien exécuté. Grosse faute de synchro. On commence à être un peu fatigué là, on le sent. Un peu moins précis. Même pour Anna. Hein.
un porté final sur le facial qui aurait pu être un petit peu mieux. Mais bon, voilà, là, de manière générale, hein, c'est pareil, c'est un grade au-dessus. Joli ensemble, ouais, effectivement. Avec des petites imperfections pour voilà, leur première sortie ensemble, je pense. Mais on rappelle hein, qu'on est en année post-olympique et que beaucoup de duos que nous vous présentons aujourd'hui sont, sont en pleine mise en place, en pleine recherche. Exactement. Avec notamment là Anna Voloshina qui s'est imposée ce matin, hein, on rappelle, hein, sur les sauts techniques avec Elisaveta Yakhno qui donc représente l'Ukraine et qui vont découvrir leurs notes dans quelques instants ici même. Voilà, notez que ce sont les seuls représentants de l'Ukraine hein, sur ces duos libres. Ouais, ça va être fort, ça va être bien au niveau des notes, effectivement, pour la finale. Voilà, avec l'équipe qui est là pour les encourager. Et la note, donc, en 27 en exécution, 36 points, 2667 en artistique, 27.1 en difficulté, ce qui nous donne la note de 90 points, 36.67, et donc la quatrième place provisoire. Ouais, c'est assez normal, hein. Oui, donc derrière les deux chinoises et les japonaises. Bon, avec les japonaises, ça se discute, hein, c'est pas flagrant, mais oui, il y a encore du travail, donc forcément, c'était pas encore net et précis. Nous allons retrouver maintenant les duos mixtes, Virginie, avec tout d'abord le duo mixte italien avec Linda Cerutti et Costanza Ferro. On est encore en fille là. C'est l'Italie, ils présentent un duo. Exactement, pardon. Ça sera juste après, pardon, excusez-moi. Effectivement. Donc elles qui étaient déjà en effet toutes les deux aux Jeux Olympiques de Rio. Donc c'est la même paire, Linda, qui est soliste depuis quelques années alors qu'elle était encore junior donc de l'Italie, qui a été médaillée européenne également en junior. Une très bonne soliste. Et bon, qui a un petit peu plus de mal à décoller en senior, mais qui est 4e, 5e européenne et 6e mondiale. Très beau duo, qui est travaillé avec Ghana Maximova, une russe. Très connue aussi dans le monde de la chorégraphie internationale synchro. Donc c'est un nouveau duo qu'elle présente. C'est vraiment dur ce qu'elles font là pour la synchronisation, parce que c'est tout en souplesse et dans le duo, c'est vraiment compliqué à caler, c'est très joli. Très intéressant. Et leur entraîneur de l'année, c'est une japonaise. Donc ça, c'est son savoir-faire justement de caler la précision. Le travail de la chorégraphe, ça a été fait par Ghana, mais le reste par la japonaise. Bonne collaboration. Une chorégraphie qui s'attache vraiment très proche à la musique, donc ça c'est vraiment la patte de Ghana aussi. Très recherché. Hein. Thank you.
jolie diagonale, hein, très originale, avec beaucoup de recherche. Il va falloir apporter un petit peu plus de technique sur la fin. Bon, beaucoup de répétitions sur ce duo-là. Un début super original et très fort. La fin qui est entraînée et emmenée sur le même rythme. Manque un petit peu de pure difficulté de synchro, mais vraiment très intéressant. Voilà, et la musique donc signée Ludovico Einaudi. On le demandait, Virginie, et du coup j'ai trouver l'info pour vous avec donc ce premier duo italien, donc Costanza Ferro et Linda Cerutti, puisque l'autre duo mixte cette fois-ci sera un petit peu plus tard. Voilà, excusez-moi pour cette erreur tout à l'heure. On va continuer avec les duos, voilà. Voilà, et puis donc les duos mixtes qui vont venir après. Hein. Voilà, et, à suivre juste après l'Ouzbékistan qui sera là et les Croates. Donc ça c'est une paire qui marche, hein. Ça fait un moment qu'elles nagent ensemble, c'était vraiment chouette. Donc elles peuvent changer de chorégraphie et arriver à être ensemble parce qu'elles se connaissent bien. C'est vraiment important d'avoir le bon feeling et se comprendre, se connaître. Ça marche bien. 88, 6000. Attends. 35, 6 en impression artistique, 26, 70 en difficulté. Et 26-30 en exécution. Ce qui fait donc 88.6 et la cinquième place provisoire. Allez, donc les Ouzbeks. Toutes nos Françaises. Oui. Ce qui nous décale encore un petit peu plus Maureen Jenkins et Eve Planex. Hein. Attention à elles. C'est elles qui sont les plus en danger, là, si je ne me trompe pas. Ouais, les minimes, mais. Oui. Oui, sur les trois. Ouais. Ouais. Les Ouzbeks, donc Yulia Kim et Kurchida Kakimova. Ça les met à la 11e place, je crois, encore là. C'est ça, ça tient encore. Ouais. Ça donc, tient ça encore. Ça devrait passer, je pense. Il en reste deux. Ça devrait le faire. On va voir. Allez, toujours en direct sur la chaîne YouTube de la FINA pour ces Synchronized Swimming World Series. Dans un autre rythme, manque un peu de précision également. Double écart pour le porter. Ça manque un petit peu de souplesse sur le deuxième écart. Vous pouvez voir la différence là, hein, sur des poussées Barracuda et Car ou sur ce duo là par exemple, on sort juste au niveau des fesses, donc c'est le début du maillot hanche qui sort, alors que les meilleures comme les chinoises ou les ukrainiennes, on sort jusqu'à la poitrine en poussée Barracuda. Donc la poussée Barracuda, c'est la poussée verticale.
Alors pareil sur le parcours, là c'est un petit peu compliqué parce qu'elles ont coupé le bassin. Elles nagent plutôt dans une moitié de bassin. Dans la largeur cette fois, pas dans la longueur. Il y a du dynamisme au niveau de la musique en tout cas. Un petit peu bas par contre. Ouais. Sur les mouvements, les genoux dans l'eau là. Oui. Le silence de Virginie juste après cette prestation. C'est pas le meilleur duo Ouzbékistan. Voilà, on rappelle que on a eu précédemment aussi un autre duo ouzbek, un petit peu plus tôt avec deux jeunes filles qui avaient 16 ans, et puis un autre un petit peu plus tôt avec Anastasia Rusmetova et Gulsanam Yudalcheva. Il y avait un total de 74 alors que les deux autres avaient 72 points. Donc on va voir où est-ce qu'elles se classent parmi ces deux autres duos. Ouais. On va avoir les notes dans quelques instants. Je vous rappelle que c'est important pour nos deux Françaises, Lamorine Jenkins et Eve Planex, qui sont toujours en finale. Oui, non, pour le moment. Là, les Français sont devant. On ne devrait pas avoir de grands risques. Et après, il reste les Croates. Mm-hmm. Alors attention. Oui, donc c'est ça, hein, c'est le moins bon des trois duos. C'est cela, avec 21.2 en exécution, 28 points, 1333 en impression et en difficulté 21.9. Parce qu'il les positionne en 29e position sur 30 participants pour le moment. Alors cette fois-ci, je ne me trompe pas Virginie, c'est bien le dernier duo en libre avant les duos mixtes. On voyait même d'ailleurs en bas de l'écran l'italien s'échauffer. Exactement. Et Giorgio. Voilà, Théa Mustak et Rebecca Domica pour l'instant sur la plage de départ dans quelques instants. Théa Mustak qui a 17 ans, alors que Dominika Rebecca a un petit peu plus de 21 ans maintenant. Voilà le travail pour traverser de bassin avec les jambes. Voilà, avec les travail de tête là, il y a quelques instants, qui était un peu désynchro. Ouais, son premier bras, c'était beaucoup à l'horizontale pour bien avancer, donc pour dégager sur la première figure. C'est toujours important cette première longueur, pas rester sur place. C'est bien ça, par contre, ça manque de hauteur, mais c'est pas mal. Belle isolation également. Une grosse deuxième figure pour les Croates là. Allez, on retraverse le bassin dans l'autre longueur. Elles n'ont pas leur chignon au même niveau, ça me perturbe. Je suis désolée. Il y en a une qui l'a vraiment au-dessus de la tête. C'est un petit peu bête comme réflexion, mais bon. Non, mais c'est le genre de détail auquel on se fixe là-dessus et on regarde plus le reste. Voilà, exactement. Donc, c'est un peu idiot. Il faut faire attention à ce genre de choses. Malheureusement, j'ai envie de dire.
petite erreur de tête là, à l'opposé, de jambes aussi. Il va falloir bien rentrer dedans. Alors après c'est ça, hein, l'expérience, quand on fait des erreurs, c'est savoir rester au moment présent, ne pas se focaliser si on a fait une erreur, passer à la suite et reprendre tout de suite ses esprits et rester dans le mouvement. Avec une bonne fin, il y avait un petit manque de précision sur des axes pendant qu'elle tournait, mais elles étaient bien synchro et c'était propre. Pas très énergique, mais c'était pas mal. Bien. Et ça restera derrière les Françaises. On va vérifier ça dans quelques instants avec la note donc des deux Croates, Rebecca Domica et Thea Mustak, puisque effectivement, on va vérifier... ces notes dans quelques instants, les juges qui sont en train de se concerter. Et ce sera donc, comme on le disait, le dernier duo libre fille. Et nous attaquerons ensuite les duos mixtes, puisqu'ils seront au nombre de 3. Avec une nouvelle paire. Ouais, les Italiens, les Germaniques, les Allemands, pardon, et les Japonais qui seront là avec nous. Alors, les Croates, oui, qui devraient effectivement être... derrière les Françaises, mais pas seulement d'ailleurs, hein, on va vérifier ça. Voilà, et la note de 71.86-67, ce qui les place en 28e position. Oui, effectivement, les Français sont un peu sereins sur cette notation. Voilà, dans quelques instants, donc les duos mixtes. Voilà, donc dans quelques instants, Virginie, on va se retrouver pour les duos mixtes dans quelques minutes. Restez avec nous, on fait une très courte pause. On salue tous nos amis qui nous regardent en Chine, au Japon, un petit peu partout dans le monde, aux États-Unis, puisque vous le savez, les World Series de la natation synchronisée sont retransmises sur la chaîne FINA. Donc n'hésitez pas à rester avec nous dans quelques instants, les trois duos mixtes. Et puis bien sûr, après, on se retrouvera un peu plus tard, vers 19h. Ça sera pour les finales techniques voilà, par équipe, donc ça sera tout à l'heure. À tout de suite sur la chaîne YouTube de la FINA pour ce 7e Open Make Up Forever, les duos mix dans quelques instants. À tout de suite. À tout à l'heure, merci.
Voilà, de retour au stade nautique Maurice Thorez, ici pour le 7e Open Make Up Forever, toujours en direct sur la chaîne FINA pour ces World Series de la natation synchronisée. Et je crois qu'on ne devrait plus tarder à avoir les résultats des duos filles. Voilà, on va pouvoir les découvrir ensemble. Et ensuite, on attendra les duos mixtes. Et voilà, et donc les deux équipes chinoises. Avec un point d'écart, un peu plus. Voilà, même. Effectivement, une petite différence quand même entre ces deux premières équipes chinoises. Il y en a une troisième qui est en dixième position. Et on a les 12 qui iront en finale. Voilà, les 12 que vous voyez ici seront en finale, donc, hein, c'est ça Virginie. Les duos français, il n'y a que les minimes, en effet, c'est tout à fait logique, sont en finale, c'est très très bien. Voilà, elle se classe 15e quand même, c'est bien. Parce qu'il y a pas mal de seniors derrière elle, hein, donc, effectivement. Elles sont seulement minimes, donc il y a vraiment une grosse marge de progression. Elles ont très bien nagé également, avec un total de 79 chez les seniors pour leur première compétition internationale. Donc, c'est bien. Voilà, avec. Donc on va. Peut-être revenir voilà, sur ces finalistes, hein, puisque ce seront les finalistes de dimanche. Tout à fait. Voilà, avec donc effectivement trois équipes françaises, trois équipes chinoises, des Italiens, des Ukrainiens, des Japonaises, des Biélorusses, les sœurs Alexandrie pour l'Autriche. Qui passent devant les Américaines, d'ailleurs je n'avais pas fait attention, mais ouais. Ça c'est la première fois pour elles, elles doivent être très contentes. Ouais. Mais nos Françaises sont devant donc ces deux duos, les Autrichiennes et les Américaines. Et les Américaines, c'est vraiment important parce que c'était également leur chorégraphie des Jeux Olympiques de Rio. Anita était là, donc c'est une fille expérimentée. Nous, on a deux nouvelles nageuses dans le duo, à proprement dit, vraiment senior. Donc c'est vraiment une très belle perf. Et je pense qu'en effet, on les a vues en joie dans les bras de Margot et Laura. Et c'était tout à fait légitime. On va passer maintenant au duo mixte. Ils seront au nombre de 3 aujourd'hui. Effectivement, ça ne cesse de se développer. C'est tant mieux, on en est ravis. On va tout de suite retrouver le premier d'entre eux qui va venir nous rejoindre d'ici quelques instants avec nos amis Giorgio Minicini et Manila Flamini, qui sera donc le premier duo à venir nous rejoindre. Voilà, et comme vous le voyez, la popularité de Virginie est toujours aussi grande. Tout le monde lui demande des autographes dès qu'elle a quelques instants, on échange avec elle. Et voilà donc ce premier duo italien. Donc cette fois-ci, il est venu qu'avec Manila. Il avait deux partenaires sur les deux autres années, au Monde à Kazan et aux Europes à Londres. Je ne sais pas si que c'est que sur cette compétition-là qu'il est venu qu'avec elle. Ou si du coup le duo, elle a peut-être arrêté, hein, puisqu'il n'y a pas l'équipe, donc on ne sait pas comment est le reste de l'équipe. Donc Manila, en tout cas, elle continue. Elle faisait le programme technique avec lui, et c'était une autre nageuse qui faisait le libre. Alors en tout cas, je ne sais pas si c'est le duo mix qui veut ça, mais en tout cas, il y a une entrée en matière très chorégraphiée. Hein. Oui, moi je pense qu'en effet, grâce au duo mixte, on va commencer justement à faire attention à ces 30 secondes et à changer. C'est ce qu'on avait fait avec Benoît. On sort un peu de la marche militaire. Voilà, il était hors de question que j'arrive en synchro avec lui. Ça me tenait vraiment à cœur, donc on a fait plutôt un pas de deux pour arriver sur ces 30 secondes. Et c'est en effet ce qui est en train un petit peu de se passer, en tout cas chez certains duo mixtes. Donc on commence avec de très beaux portées. Et en plus, Manila est la voltigeuse de l'équipe, donc elle a vraiment l'habitude d'être portée. Très explosive, une fille qui est très technique et très explosive. Donc un duo qui est médaillé de bronze au championnat du monde, hein, et vice-champion d'Europe derrière les Russes. Bonne technicité sur la première figure, là, avec des belles obliques. Bon, artistiquement, c'est un style un peu particulier. Voilà. Donc là, en l'occurrence, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le 2 à 2, les figures à 2 se prêtent quand même plus, hein, parce que je pense que justement, on peut l'envisager différemment que les deux duos de filles qui,
qui est nager vraiment en symétrie, non pas en symétrie, mais en parallèle et en exactitude parfaite. Pour moi, le principe d'un duo mix, c'est vraiment d'avoir un lien entre les deux personnes et de le traiter vraiment comme un pas de deux. Donc forcément, un petit peu plus de contact. Et essayer d'utiliser quand même la force de l'homme pour mettre en valeur certains mouvements. Donc Giorgio qui est un bon technicien hein, également, qui fait de très belles poussées. Une porte très intéressante. On avait un petit peu ça, le début d'une autre avec Benoît. Bien là, hein, sur les enchaînements de vrilles, ça part, ça vrille bien. C'est compliqué quand je disais qu'en duo, quand on fait des vrilles vraiment en continuité et pas en moitié, enfin demi-demi avec des arrêts, pour être synchro, c'est plus compliqué. C'était bien exécuté sur leur dernière figure. Voilà, Manila Flamini et Giorgio Minicini qui en terminent avec ce premier duo mixte. Ouais, ça ouvre vraiment des perspectives, hein, ces duos mixtes avec des possibilités chorégraphiques, des créations, des choses vraiment innovantes. Non pas que les filles ne soient pas toutes seules, mais effectivement, ça ouvre d'autres perspectives, forcément, de fait. Voilà, et c'est intéressant à suivre. Et d'ailleurs, c'est aussi un parallèle parce que, par exemple, en portée, en effet, on peut avoir de meilleures possibilités avec un duo mix, mais ça ne nous a pas empêché, quand on avait travaillé avec Benoît sur place à l'INSEF, de se comparer avec les filles. Et du coup, elles essayaient de chercher aussi comment lui faisait. Voilà, donc il peut vraiment y avoir des allers-retours après dans la création. Voilà la note qui tombe pour ce premier duo mixte. 86 points, 86-67 avec une exécution à 25.5, une impression artistique à 35.067 et une difficulté à 26.3. 86.86-67 si on devait voilà, les placer dans le podium des duos libres. Il me semble, parce que les 4 c'est les Françaises, on est d'accord? Ouais. Elles ont 83. Oui. Donc peut-être 4, faut que je regarde les 3e, les japonaises, 91, donc 4e. Donc nouveau duo qu'on n'a encore jamais vu, duo allemand. Donc je ne peux rien vous raconter sur le garçon parce que je ne le connais pas. Je ne sais pas depuis combien de temps il s'agit de Niklas Stoppel, voilà, avec Amélie Herbert. Juste te dire qu'il avait un joli petit maillot Nabadji. Voilà. Un petit placement de produit partenaire. Ce qui me permet de saluer Nayad, hein, bien sûr, notre partenaire textile sur cet événement. Un joli changement là. Un lien entre les deux qui était intéressant. Eux qui ont vraiment joué sur la phase de couple, hein, vous verrez, je l'ai vu à l'entraînement. Vous comprendrez pourquoi après. Bon, déjà un peu sur la plage. Bien sur le porté. Bon, ça manque de glisse. Hein. Ça fait un petit moment qu'ils sont dans le coin du bassin.
Donc je fais qu'une longueur, ils reviennent là seulement sur la deuxième. Donc ils exploitent bien le thème du couple, je pense. Et donc techniquement, on peut quand même bien voir la différence avec les Italiens. C'est... ça n'a rien à voir, même si voilà, sur des vrilles, ils sont bien synchro. Et bon, au niveau de la hauteur et du nombre de tours aussi qu'ils exécutent, c'est quand même beaucoup plus faible. Ouais, il bouge un petit peu plus là, c'est bien. Plus intéressant dans le parcours. Voilà. Avec la marche nuptiale. Donc une figure à deux qui est intéressante, qui a été un petit peu dure à tenir là. Donc, très bien, un thème bien exploité. Eh ben oui, c'était bien ça. Amélie Herbert et Niklas Stoppel pour l'Allemagne. Voilà, qui on termine avec ce programme mixte. Encore un troisième couple à venir dans quelques instants pour ces duos mixtes. Ce sera le duo japonais. Oui, par contre, le duo japonais qu'on connaît, hein, puisque c'était eux tous les deux qui étaient là au championnat du monde de Kazan, donc pour les premiers championnats. De duo mixte, j'ai pas envie de dire le monde parce que c'était les tout premiers championnats de duo mixte, de toute façon, tout confondu. Et Yumi est une très grande ancienne nageuse, donc médaillée olympique en équipe. Elle est revenue comme moi en fait pour Kazan pour le duo mixte et elle continue. For a total score of 70 points, 0667. Thank you. Voilà, la note de 70.0667 qui positionne les Allemands en deuxième place avec effectivement bon, un niveau un peu moindre hein, par rapport à nos amis italiens. Ça fait beaucoup quand même. Mais les Japonais sont là et là vous allez voir effectivement que c'est un duo mix qui se connaît qui connaît bien les bassins. En tout cas ils connaissent. Ils ont fait sixième au championnat du monde à Kazan. C'est vrai que l'année dernière ils n'avaient pas de compétition puisque nous on avait les championnats d'Europe, mais au point de vue mondial ils n'y en avaient pas. Donc comme l'Américain Bill May, il se prépare pour les mondes. Et dans cette particularité de duo, j'ai envie de dire qu'ils sont très très forts en portée. Vous allez voir comme il est capable de sortir haut Yumi. Sa partenaire. Et encore une fois, une arrivée sur la plage de départ chorégraphiée. Intéressante. Sur le thème du serpent, comme on peut le voir dans la position de la nageuse et influencée par le maillot. Donc regardez, lui il pousse par les pieds. Là, c'était pas m'éjecté, mais. Voilà, travail de. Contact et de liaison. C'est joli là, hein, ce qu'il nous propose. C'est intéressant. Allez. Voilà. Oh, joli. C'est un très beau salto.
vraiment au-dessus de l'eau, parce qu'habituellement, quand on, les deux filles le font, on arrive un peu le menton et la poitrine dans l'eau, c'est normal. Hein, on est seul à pousser, c'est quand même déjà exceptionnel. Mais ouais. Alors lui, il la pousse largement au-dessus de l'eau. Effectivement, c'est le genre de figure que permet le duo mixte. C'est ça. Travail de lien aussi, de contact. Vraiment en continuité par rapport à ce fil du serpent. Il a progressé hein, également, techniquement, je trouve. Très belle vitesse. Tomber sur la vrille, Yumi. Bon, ça reste une vrille individuelle. Là, il faudrait quand même faire des figures un petit peu ensemble. Et encore un porté, pied-pied. Ah, et un petit peu moins haut qu'à l'entraînement. Ça, bon, c'est logique. Hein. La fatigue, il n'est pas au début, celui-là. Figure de liaison. Voilà, par rapport aux Italiens, il y a quand même beaucoup moins de difficultés et de synchronisation. Ouais, il faut savoir jauger, hein. Il faut utiliser en effet cet effet de couple et de travail en communication et quand même malgré tout garder de la difficulté. Ouais. De synchro pur. Alors, on dit synchro, ça ne veut pas dire forcément de la synchronisation, mais vraiment de la technique. En tout cas, un programme plaisant. Oui, ouais, oui, très un bien. Programme plaisant. Yumi Adachi avec Atsushi Abe qui, effectivement, nous ont proposé un programme original avec cette musique, le snake, hein, le rattlesnake, le serpent. Effectivement, agréable à regarder, mais peut-être quelques difficultés supplémentaires auraient été les bienvenues pour venir un petit peu titiller les Italiens qui semblent vraiment au-dessus ces trois duos qu'on vient de voir. Hein. Complètement. On va découvrir la note. Ce sera donc le dernier couple pour ces duos mixtes. Et ainsi se termineront ces qualifications de duos libres, filles et mixtes, qu'on retrouvera donc dimanche à 13h pour la finale. Ce sera sur les antennes, bien sûr, de la chaîne FINA, bien sûr, pour les World Series de natation synchronisée qu'on vous fait vivre tout au long de ces trois jours dans le cadre de l'Open Makeup Forever. Voilà, on va regarder les notes et puis après, bien sûr, on vous donnera rendez-vous tout à l'heure à 19h pour la finale technique par équipe. Attention, Virginie surveille les notes. Bah parce que elles sont très proches ouais, des Italiens. Si c'est ouais. Ça. C'est vous les auriez vues un petit peu plus près des 80. Alors, que... Est-ce que c'est parce qu'aussi ils sont un peu seuls enfin, voilà, c'est... On encourage aussi un peu, hein, c'est normal. Avec la note donc de 86,5, 25,3 en exécution, artistique 34,8. Ouais, et difficulté 26,4. On rappelle que les Italiens sont devant avec 86,8667. Ils sont devant les Italiens au niveau de la difficulté quand même. Effectivement. C'est ouais. Pas grand-chose. Ce qui est... Alors ouais. Que c'est pas ouais. Franchement justifié. Ouais, c'est ça, effectivement, un peu de choses. Voilà, on va vous quitter sur ces images en vous rappelant donc le classement des trois duos mixtes. Les Italiens devant les Japonais et les Allemands en troisième position. Voilà le classement de ces qualifications. On les retrouvera donc, hein, comme on disait tout à l'heure, Virginie sera dimanche à partir de 13h pour les finales. Et puis nous, on se retrouve pour une autre finale. Ça sera tout à l'heure à partir de 19h. Le ballet d'équipe à 19h avec les équipes pour la technique. Ça sera donc à ne pas manquer pour un nouveau live sur les antennes de la FINA avec ces World Series qu'on a la chance de partager avec vous. A tout à l'heure Virginie. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci beaucoup. Pause.